Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, j'ouvre ce conseil municipal du mercredi 21 avril en vous demandant de bien vouloir accepter de désigner madame Émilie Desmoulins comme secrétaire de séance et en lui demandant s'il vous plaît de faire l'appel. Bonjour à tous. Arnaud Murgia. Présent. Richard Newsbaum. Présent. Catherine Valdener. Présent. Éric Pétieux. Présent. Annie Astier-Conversé. Présent. Christian Julien est excusé et a donné pouvoir à Patrick Michel. Jean-Marc Iaponi. Elisa Faure, présent. André Martin, présent. Claire Barnéou, présent. Michel Stripnikov, présent. Patrick Michel, présent. Corinna Schettino, présent. Christian Ferru, présent. Corinne Forbrac, présent. René Michel, présent. Madame Lasserre-Brigitte est excusée et a donné pouvoir à Madame Valdener, Christophe Ostier, présent. Monique Ollagnier, présent. Renaud Ponce, présent. Marie Soubrane est excusée et a donné pouvoir à Corinne Forbrac, Hervé Boulet, présent. Sandrine Cordier, présent. Johan Lagier, présent. Marie Sosa François, présent. Natalia Sertour, présent. Solange Michel, présent. Thomas Schwartz, présent. Eliam Dany, présent. Aurélie Poyot est excusée et a donné pouvoir à Madame Dardenne, Léon Gabriel, présent. Francine Dardenne. Présent. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers. Je voudrais juste, en manière préalable et liminaire, faire une simple déclaration, car hier, j'ai été accusé par voie de presse interposée de manière choquante, scandaleuse, calomnieuse, par le promoteur, soi-disant, du Fort des Têtes. Je voudrais, devant le conseil municipal ici réuni, vous dire que je n'accepte pas d'être ainsi sali par quelqu'un qui foule aux pieds toutes les règles qui encadrent l'expression publique dans notre pays. Je n'accepterai pas que mon honneur soit diffamé, et mon avocat a en mon nom déposé aujourd'hui devant le parquet de Gap une plainte pour dénonciation calomnieuse et une action en diffamation. Je n'ai pas dans mes fonctions de maire plus de droits que les autres, mais j'estime ne pas en avoir moins. Je suis un homme honnête et intègre, je n'accepte pas d'être accusé de corruption, de trafic d'influence ou de quoi que ce soit d'autre. J'exerce les fonctions que m'ont confiées les Briançonnais chaque jour avec dignité. Ce sont les seules valeurs qui m'animent. Je voudrais dire à celles et ceux qui sont responsables de l'avenue de cette personne dans notre ville, en ayant lancé toute la machine municipale à leur côté, qu'elles devraient avoir l'honnêteté et la dignité de s'excuser. De s'excuser car cela fait des mois que plus personne n'ignore les travers et l'absence de sérieux de ce projet, les doutes qui pèsent autour de lui, et que ceux qui ont initié cette machine infernale n'ont même pas eu le courage de la stopper eux-mêmes. Cette situation me fait honte, elle fait honte à notre ville, et je le redis, je suis fier d'avoir pris en responsabilité et en conscience les décisions pour mettre un terme à un projet qui n'a fait que trop de mal déjà et à trop de personnes. À toutes celles et à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien depuis hier dans ce moment pour le moins pas très agréable, je voudrais tout simplement vous dire merci et je vous le redis, je me défendrai et je laverai coûte que coûte mon honneur face à cet amas de mensonges et de calomnies qui me font honte. Je vous remercie. Merci. Merci, merci mesdames et messieurs. Je ne serai pas plus long sur ce sujet qui a fait couler trop d'encre. Vous dire tout simplement que ce soir, notre conseil va aborder trois dossiers, trois séquences de dossiers majeurs. Celui de nos projets tout d'abord, qui voit pour la plupart tous leur financement avancé. 8 mandats et déjà des certitudes solides sur la capacité à remplir nos engagements, notamment grâce au soutien fort de nos partenaires privilégiés que sont le département des Hautes-Alpes et la région Sud. Je voudrais me féliciter devant vous du déplacement extrêmement fructueux du président Renaud Muselier vendredi de la semaine dernière à Briançon. D'une part parce que c'est le démarrage d'un chantier de long terme que j'ai eu la chance de porter avec les collègues du conseil départemental sur le lancement du très haut débit. Déjà plus d'un millier de fibres qui sont connectées ces jours-ci à Briançon, un millier à Saint-Chaffré, des prises à la salle des Alpes dans toute la CCB, avec l'objectif de 10 000 foyers et entreprises connectés avant le début de l'été. C'est une excellente nouvelle et je voudrais le rappeler, sans aucun euro d'investissement d'argent public. C'est le sens
du contrat que nous avions négocié entre le département, la région et SFR à travers sa volonté d'investir sur notre territoire. C'est, je crois, des perspectives extrêmement importantes qui s'ouvrent pour notre économie, pour nos entreprises, au-delà du confort que cela apportera à chacun de nos concitoyens. Et puis, vous le voyez, nos projets sont soutenus. 1,8 million d'euros qui seront votés pour le nouveau gymnase dans le cœur de ville, demain à la région. 450 000 euros du département pour ce même gymnase qui ont déjà été votés la semaine dernière au département. Le contrat d'avenir, oui, nous existons déjà dans le plan de relance de l'État. 2 fois 0,8 million d'euros, c'est-à-dire quasiment 1,7 million, pour la modernisation du parc des sports. Terrain de football, terrain synthétique, piste d'athlétisme, mur d'escalade des mondiaux, modernisation du CIPA sur l'ensemble de la zone. Ce dossier est déjà tacté dans le plan de relance. Il sera voté demain dans le cadre du contrat d'avenir porté à la fois par la région Sud et par le gouvernement. 600 000 euros dans le budget culture de la région pour la réhabilitation de la chapelle des pénitents noirs. Ce dossier aussi, il avancera avec la création d'un tiers-lieu culturel ici en plein cœur de la cité Vauban. Et par ailleurs, je n'y reviens pas, mais plus de 330 000 euros qui ont déjà été votés sur des fonds de concours pour nos projets de renouvellement routier, que ce soit pour la rue Pasteur, qui attendra malheureusement que nous puissions y faire les travaux d'eau. Ils seront retardés du fait, vous le savez, de la situation de la SPL, mais nous nous sommes engagés et nous referons, Jean-Marc, la rue Pasteur. Et bien entendu, l'avenue Général de Gaulle, qui sera un chantier pour les 2 à 3 années à venir, l'avenue Jean Moulin qui va démarrer, et l'avenue Adrien Dorel, qui est déjà en travaux sur sa phase 1, qui le sera bientôt sur sa phase 2. Nous nous étions engagés à ce que l'ensemble de l'axe de l'hôpital soit rénové avec du stationnement construit. Ce sera une réhabilité dans un an pour les Briançonnais. Mesdames et messieurs, ce conseil municipal, ce sera aussi celui de la tenue de nos promesses sur les questions de tranquillité et de sécurité publique. Sans polémique, sans politique, mais tout simplement parce que nous nous étions engagés à réorganiser la police municipale, à en faire un vrai service, mon cher René, qui travaille au quotidien, avec efficacité, aux côtés des forces de l'ordre, de la police nationale et de la gendarmerie. Nous sommes tout simplement au rendez-vous du renforcement de ce service, en prenant ce soir, notamment, la décision importante que d'armer nos policiers municipaux. Je le dis, en toute transparence, nous faisons tout simplement ce que nous avons dit. Il n'y a aucune surprise, ce sont des engagements qui ont été écrits noir sur blanc dans notre programme de campagne. Aujourd'hui, nous tenons tout simplement les engagements pour lesquels une très grande majorité de la population nous a fait confiance. Et puis enfin, chère Claire, bien entendu, le rendez-vous de la vaccination dans ce moment si important, puisque nous avons été la première commune avec Gap et Embrun à obtenir et à construire par nous-mêmes en à peine 48 heures, je veux encore remercier l'ensemble de nos personnels, un centre de vaccination qui tourne à plein grâce à la mobilisation des personnels du centre hospitalier, dont je veux saluer le dévouement et le courage au quotidien, grâce aux personnels libéraux, grâce à la Fondation Edith Selzer. Et aujourd'hui, la ville, à coût bien entendu zéro, à aménager, met à disposition le ProRel et s'engage pleinement aux côtés de l'État et de l'ARS pour permettre de convaincre nos populations, de leur rendre la vie plus simple, pour leur permettre d'accéder à la vaccination. Et aujourd'hui, je me félicite que dans toute la communauté de communes, une bonne partie des personnes de plus de 70 ans soient déjà vaccinées et qu'on arrive même dans certains de nos hameaux, dans certains de nos villages les plus reculés en montagne, à aller grâce au concours soit du vaccinobus de la région, dont je me félicite, il a été dans nombreuses de nos communes ces derniers jours, soit grâce au service des pompiers qui sont allés vacciner à domicile dans les hameaux de la Grave, à apporter ce service essentiel pour le retour à la vie. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas bien plus long, l'ordre du jour est long, mais j'ouvre notre conseil municipal du 20 avril en ouvrant immédiatement l'ordre du jour et en vous demandant si vous aviez des... Ah oui, on a une question à poser, pardon. J'oublie à chaque fois. Vous savez, les 3 questions qu'on peut nous poser, il n'y en a qu'une. Du coup, on ne va pas la tirer au sort. Vous m'en voulez pas, il n'y en a eu qu'une seule qui est arrivée. Une question d'une dame qui nous demande la chose suivante. Où en sont les travaux pour une vraie salle d'escalade afin d'accueillir les scolaires, maternelle, primaire, collège et lycée, mais aussi toute l'année des adultes, et développer le sport santé et l'accessibilité aux personnes handicapées? Une vraie salle de bloc aussi. L'escalade est la 3e discipline sportive pratiquée en France, en Europe et dans le monde. Merci pour votre retour. Madame, je vais essayer de répondre à votre question qui est un peu diverse. D'une part, il y a un projet de salle de bloc qui est un projet privé dans la ZAC sur le pavillon de l'habillement, qui est un projet dont nous sommes en train d'essayer de finaliser avec le porteur de projet les derniers traits.
Et j'ose espérer que nous allons arriver dans les semaines qui viennent à le faire démarrer, puisqu'il est sous compromis. Et nous faisons tout pour trouver le bon montage financier pour que ce projet puisse sortir de terre. Je rappelle que c'est un pôle médico-sportif avec des kinésithérapeutes et des professions médicales qui seront au-dessus de cette salle. Donc c'est un projet que nous soutenons et pour lequel, avec Franck Prigent, qui est l'organisateur des mondiaux, nous essayons de faire le mieux de notre possible pour l'accompagner. Concernant les scolaires, c'est naturellement le projet de nouveau gymnase qui sera adossé au mur des mondiaux. C'est en tout cas ce qu'on pressent dans le travail que nous faisons avec le programmiste qui a déjà entamé son travail, qui a rencontré toutes les associations sportives de la ville. Il y aura donc un équipement phare qui sera au parc des sports, mais naturellement le gymnase Chancel restera. Il restera à disposition du collège, du lycée et puis des pratiquants. Ça fera aussi plus d'espace pour les clubs. Je rappelle que nous avons monté un dossier avec le département pour être labellisé terre de jeu au titre de Paris 2024, ce qui nous permettra pour l'escalade, et on veut animer tout cela dans tout le territoire, à travers le VTT, Montgenèvre, le kayak, l'Argentière, pour que le centre d'oxygénation, le parc des sports de Briançon, soit le camp de base de Paris 2024 au titre de terre de jeu, puisque nous pourrons accueillir des équipes d'entraînement. Nous le faisons chaque année avec des équipes internationales pour les mondiaux. Et donc, l'escalade, nous le portons. Je rappelle que nous travaillons avec la communauté de communes et la région à un projet qui s'appelle In the Loop et qui a pour nom Briançon, capitale de l'escalade. Je vous le dis en tant qu'élu, mais aussi en tant que grimpeur. J'y suis très attentif, chère madame. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas s'il y avait des ajouts de la part des adjoints concernés. Si ça revient, on pourra en discuter tout à l'heure. J'ouvre l'ordre du jour, si vous voulez bien. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu de séance du 10 mars ? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur les décisions, le compte-rendu des décisions ? Il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie, il est adopté. J'ouvre l'ordre du jour avec une première délibération en institution et vie politique sur la substitution de M. Hamdani à M. Dazin. M. Dazin ayant démissionné le 31 mars, le code électoral dispose que c'est le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu qui est appelé à remplacer le conseil municipal dont le siège est vacant. Au regard de la composition de la liste Briançon Unie pour l'avenir, c'est M. Elie Omdani qui est automatiquement investi du mandat de conseil municipal. Bienvenue. Et la délibération propose au conseil municipal d'appeler M. Omdani à siéger, comme M. Dazin, à la commission culture, patrimoine et tourisme, au conseil d'administration du comptoir des assos en qualité titulaire, au conseil de direction de l'office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon en qualité titulaire, à la commission locale du secteur sauvegardé et à la commission d'application du règlement local de publicité. Voilà. Monsieur le maire, moi je souhaiterais intervenir, oui, s'il vous plaît. Je vous en prie. Moi je vous relais, je me fais le relais de la majorité municipale qui vous demande de sursoir à la nomination relevant de l'Office du tourisme et de la reporter au prochain conseil municipal. Voilà, si vous voulez une explication, on avait donné un poste à Briançon d'abord au sein de la représentation de l'Office du tourisme. En 8 mois, aucune présence de M. Dazin. Il n'a siégé aucune fois dans cette instance. Et je pense quand même qu'il faut un petit peu avoir une petite pensée pour l'importance stratégique et économique du positionnement de la ville au sein de l'Office du tourisme. Donc, il me paraît un petit peu délicat de redonner de facto une représentation à la liste Briançon d'abord au sein de cette instance. Moi, ce que je vous proposerais, c'est de repositionner cette nomination à l'Office du tourisme lors du prochain conseil municipal, et puis que l'on puisse avoir une réflexion globale, tout membre du conseil municipal confondu, pour la représentativité de la commune au sein de cette instance. Très bien, si c'est partagé par le groupe, je vais vous passer la parole. Moi, en tout cas, je l'accepte, et donc je vous proposerai de mettre la délibération au vote de cette manière, mais juste en rayant la ligne sur l'Office du tourisme et de remettre la composition de l'Office dans sa globalité au prochain conseil. Monsieur Schwartz, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Évidemment, on n'est pas tout à fait d'accord avec ces paroles. Je tiens juste à préciser que le suppléant de monsieur Dazin, c'était vous, monsieur Murgia, et que si on avait eu un suppléant de la liste Briançon d'abord,
On y serait forcément allé et quelqu'un de l'opposition de notre liste de chez nous serait présent. Voilà. Très bien. Et bien du coup, je vais changer la délibération ainsi et je proposerai de réunir l'ensemble des présidents de groupe avant le prochain conseil pour avoir une discussion sur la représentativité. J'abonde dans le fait que c'est un sujet important et que Briançon mérite d'être représenté dans ces périodes difficiles par des élus qui siègent à chaque fois autour du vice-président Hervé Boulet qui nous représente au directoire de l'Office. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Oui, alors des abstentions ? Deux abstentions avec le pouvoir de Madame Poyot, ça fait trois. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier adjoint pour des désignations. Il y avait une intervention. Oui, pardon. Monsieur Hamdani, vous avez la parole. Il y a une opposition. Très bien. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole pour deux délibérations sur des désignations à la SPL. Merci, Monsieur le Maire. Donc, cette délibération concerne la... le conseil d'administration de la SPL ESHD, donc suite à la démission de M. René Michel, représentant de la commune à la SPL ESHD, il convient de désigner un nouveau représentant de la ville. Nous proposons donc de désigner Mme Maryse Xosa pour ce poste. La SPL approuvera ensuite la désignation du nouvel administrateur. Est-ce que ça appelle à des questions ? Oui, Monsieur Schwartz. Merci, Monsieur le Maire. Donc, nous allons, notre groupe, voter contre cette délibération. Dans la représentativité de la SPL, nous avons un membre des Briançon citoyennes qui sont représentés, Aurélie Poyot. Donc, étant donné la démission de René Michel, nous aurions aimé avoir quelqu'un de chez nous de représenter au conseil d'administration. Ça aurait été... ça aurait été sympa, quoi, tout simplement. Alors, je n'y donnerai pas suite, et pour une raison que je peux vous expliquer, qui est une raison technique et financière, tout simplement parce que ce n'est pas qu'une composition de conseil d'administration au titre de représentativité élective, mais bien une composition d'actionnariat, et qu'à ce titre, nous devons défendre notre responsabilité d'actionnaire. Je souhaite donc que l'ensemble, des représentants de la ville soient sur la même ligne, étant donné les enjeux que nous avons avec les autres actionnaires au moment où nous tâchons de, à la fois, éponger les dettes, renforcer la gouvernance. Je ne voudrais pas diluer, si j'ose dire, avec des positions discordantes, donc je n'y donnerai pas suite, j'en suis désolé. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Il y en a donc une seule, deux, trois, pardon, et quatre. Des abstentions ? Il y en a trois. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Monsieur le Premier adjoint, pour les représentants au sein de la SPL, pour le comité d'orientation stratégique. Donc le comité d'orientation stratégique de la SPL réunit 5 administrateurs et 5 représentants de la société civile. Il a un avis consultatif sur les questions économiques ou stratégiques majeures de la SPL. Sa composition actuelle est caduque car non modifiée depuis les dernières élections. Il convient donc pour Briançon de désigner ses 3 administrateurs avant que le CA de la SPL n'approuve ensuite cette désignation. Nous proposons donc de désigner M. Jean-Marc Chiaponi, Madame Michèle Spriknikov et Monsieur Christian Ferru pour représenter Briançon. Je vous remercie. Je rappelle que du coup, ce sont parmi les administrateurs que nous désignons. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il... Oui, Madame Dardenne, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mon intervention ne porte pas sur les administrateurs représentant la commune. Ni sur ma gourde, Madame Dardenne, cette fois-ci. Non, non. Je vous remercie. Ni sur votre gourde. sur le fait que, effectivement, dans ce comité d'orientation stratégique, il existe aussi la 5 représentants de la société civile. Or, ceux-ci n'ont pas été nommés. Je voulais savoir quand ils le seraient. Simplement alors, rappeler ce sera en CA par la SPL, parce que c'est du coup la SPL qui représente les... C'est en CA de la SPL. Tout à fait. D'accord. Donc on y procédera, on vous fera part, on a un peu renouvelé. J'avais notamment proposé qu'on ajoute l'association des... Vous savez, des consommateurs qui sont à la salle Les Alpes, qui s'étaient regroupés quand il y avait eu les problématiques sur la question de l'eau à la salle Les Alpes, ils n'étaient pas représentés. Voilà. Mais on va vous faire cette proposition dans le cadre du conseil d'administration de la SPL. Oui, simplement ajouter que cette commission, c'est pas depuis l'année dernière, mais ça va faire 3 ans qu'elle ne s'est pas réunie. Ah ben alors, c'est pas ma faute. Du coup, insister sur l'importance de la tenue de cette commission. Merci.
Donc je vous remercie. Je vous remercie. Je vais mettre cette délibération aux voix. Du coup, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y en a les deux groupes. Je vous remercie. La délibération est adoptée. La parole est à Madame le maire adjoint Elisa Faure pour mea maxima culpa, Madame Dardenne, revenir sur la subvention des Restos du Cœur, sur laquelle je m'étais engagé aux côtés des adjoints à procéder à une modification si nous avions tort, et en l'occurrence, on avait tort. Bonjour. Alors, la délibération concernant la subvention de fonctionnement 2021 pour les Restos du Cœur. Une erreur matérielle s'est glissée dans l'instruction du dossier des Restos du Cœur, ce qui a amené à minorer la subvention à laquelle pouvait prétendre l'association. Il est donc proposé de porter à 4 000 euros le montant attribué à l'association, ce qui est l'équivalent de la subvention de l'année dernière, afin de pouvoir garantir à l'association son budget de fonctionnement. Et cette subvention sera versée au plus tard le 30 mai. Merci beaucoup. J'imagine que ça ne devrait pas appeler d'opposition. Madame Dardenne. Non, on voulait vous remercier d'avoir pris en compte notre remarque et avoir pu, régulariser cette situation, parce que les Restos du Cœur, c'est vraiment une association importante, vous le savez, et c'est pour ça que vous l'avez fait. Donc on ne peut que vous remercier. Merci de ces propos. Et du coup, nous allons voter pour cette délibération. Du coup, je me permets de profiter aussi d'avoir aussi toutes les personnes qui nous écoutent, le public. Suite à notre rencontre avec les Restos du Cœur, j'en appelle aussi au Briançonnais un appel à bénévolat, parce que leur nombre de bénévoles s'épuise un petit peu. Donc j'en appelle aussi aux Briançonnais s'ils veulent prendre contact avec l'association pour un petit peu de temps de bénévolat. Ce qui me permet de faire le lien avec le projet de Madame Astier-Conversé, qu'elle aura le plaisir d'annoncer dans les jours qui viennent, de réserve volontaire citoyenne, si j'ose dire, dont on avait déjà un peu esquissé les traits, qui est désormais prêt à être lancé, qui nous permettra de mobiliser aussi toutes les forces vives de notre ville. On a beaucoup fait appel à eux ces derniers temps, et Madame Astier voulait formaliser tout cela, et je l'en remercie, et j'en profite pour la saluer, bien amicalement. Je vais mettre cette délibération aux voix, peut-être juste en rappelant, excusez-moi, je fais un tout petit peu de publicité, mais c'est un sujet important, que le département a par ailleurs prorogé son dispositif d'aide de 2500 euros par semaine à toutes les banques alimentaires du département, quelles qu'elles soient, Restos du Cœur, Secours catholique, etc., en achetant les fins de stock des producteurs locaux, qui, les restaurants étant fermés, ne peuvent pas tout le temps écouler toute leur production, en donnant derrière gratuitement aux banques alimentaires. Je crois que c'est des belles initiatives qu'il faut soulever, je me permets de le dire. Voilà, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? À l'unanimité, je vous en remercie. Je vais présenter les délibérations finances qui suivent, qui sont, je crois, importantes. La première, c'est une demande de fonds de concours à la communauté de communes. Vous savez que l'exécutif communautaire a souhaité proposer un fonds de concours, un fonds de solidarité territoriale. Alors, c'est juste, on vous distribue une toute petite modification. On a rajouté un tout petit dossier, donc vous étonnez pas, je vais vous le préciser. Vous savez que la communauté de communes a décidé d'investir aux côtés de ses communes. La CCB ne le faisait pas. Elle investissait en propre, elle ne participait jamais au cofinancement ou très rarement des projets des communes. Et la politique ambitieuse d'investissement et notre capacité à maîtriser le budget de la CCB nous permet aujourd'hui d'avoir voté un budget qui, dès cette année, nous permettra d'injecter 2 millions d'euros au service des 13 communes du territoire. L'idée est tout simplement que Briançon puisse y prendre aussi toute sa part. Je précise pour les élus qui sont aussi des élus communautaires que nous déposons ces demandes que je vais vous détailler en sachant qu'il appartiendra naturellement sous ma responsabilité au bureau de la communauté de communes que de valider les demandes que nous, qui seront admises et que l'idée est que peut-être que lors de la première session d'examen, tous nos dossiers ne seront pas validés. On tâchera d'avoir un équilibre territorial avec les autres communes, et c'est bien normal. Mais il convient tout de même que notre ville soit soutenue aussi là-dessus. Vous trouverez donc dans ces demandes des demandes de subventions à hauteur de 30%
pour faire sortir un certain nombre de projets. D'une part, l'aménagement du carrefour de la Grande Boucle, puisque pour ceux qui ne le savent pas, ça ne coule pas forcément de source. C'est un projet qui est porté par l'État dans le cadre du contrat de plan État-Région, la DIRMED en l'occurrence. Mais il y a toute une partie d'aménagement paysagier et d'aménagement urbain, notamment sur toute la zone qui est devant les centres commerciaux et qui remonte le long de l'avenue, qui sont à la charge de la commune. Il y a 357 000 euros de travaux dans cette tranche-là et nous en demandons 30% à la CCB. Un aménagement à Saint-Blaise, je laisserai Jean-Marc et Christian Ferru, s'ils le souhaitent, le présenter et le développer, c'est des garages à destination des habitants. L'aménagement de l'avenue Adrien Dorel, qui est un projet dont j'ai parlé et dont nous avons déjà délibéré. Et enfin, la construction du nouveau skatepark au Parc des Sports. On y a rajouté tout simplement juste les travaux du CIPA, puisque en fait, on s'est rendu compte que la porte du CIPA, qui a été maintes fois réparée par les services techniques, n'ouvre même plus et qu'il faut la changer. Le CIPA ayant une trésorerie très fortement dégradée, je ne vous fais pas de dessin, puisque le contexte sanitaire nous empêche de le faire tourner comme nous le souhaitons, nous avons demandé 3000 euros d'aide à la CCB. C'est un petit dossier, mais c'était important pour le CIPA. Voilà, c'est ni plus ni moins, je me permets de le dire, que la mise en œuvre concrète des orientations budgétaires de la communauté de communes que nous avons voulu profondément tourner vers les communes. Je rappelle que le fonds de solidarité territoriale de la CCB est 5 fois plus élevé que celui de l'agglomération de Gap. Voilà. Ça veut dire que nos collectivités, notre territoire est pleinement intégré à l'investissement, à la relance de l'économie et à la capacité pour les communes, fussent-elles de petite ou de grande taille, à faire sortir les projets structurants de leur mandat. Voilà, quand on prend des décisions budgétaires, elles deviennent concrètes. Ainsi, s'il y a des questions, je réponds sur cette première délibération financière. Je vous en prie, monsieur Léon. Bonjour à tous. On avait juste une ou deux interrogations, notamment sur les critères, notamment par exemple dans la REM, construction, aménagement et réfection des bâtiments communaux. On se disait qu'il aurait peut-être été opportun d'ajouter des critères environnementaux. On rappellera pas une fois de plus que le bâtiment est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans notre société. Ça aurait peut-être été intéressant d'appuyer un peu dessus, surtout quand le PETR peut être aussi partenaire de ces choses-là. Ensuite, on avait un questionnement. Il nous semblait que ces fonds de concours, ils se destinaient vraiment à des projets qui touchent le territoire, donc de la communauté de communes. Du coup, les garages à Saint-Blaise, ça nous semblait être très localisé par rapport à l'aspect territoire. On comprenait pas trop la... Alors, il y a deux aspects pour vous répondre. Alors, sur l'aspect environnemental, tout à fait d'accord avec vous, mais c'est des critères qu'on met dans les critères globaux du fonds de soutien, mais qui quasiment coule de source un peu maintenant dans la construction, donc on les prendra en compte pour le skatepark comme pour les autres et pour la cité administrative, et vous le savez. Sur le reste, l'idée du fonds est que nous laissons les conseils municipaux et les maires décider de là où ils pensent avoir besoin. Moi, je n'ai pas souhaité qu'on positionne des dossiers plus importants. On a des dossiers d'importance communautaire, je pense à la patinoire. Vous savez qu'on nous lègue une patinoire dans laquelle il faudra investir entre 1 et 1,5 million d'euros pour sauver le groupe froid. Il faut refaire la dalle, tout ça nous le savons depuis des années, les travaux n'ont pas été faits. Peut-être effectivement que dans les années qui viennent, sur ce type de projet, je vous proposerai de solliciter la CCB de manière plus importante, sur un dossier plus important, parce que la patinoire elle sert à tout le monde, à toutes les communes, tout le monde y est OK. En tout cas, au titre des projets que nous avons aujourd'hui et des projets importants, le parc des sports, comme vous avez pu le comprendre, il est tout de même bien soutenu par la région et par le département. Moi, je préférais que, humblement, nous allions présenter à nos collègues de la CCB des dossiers qui sont d'importance financière pas trop importante. Je voulais vraiment que nous donnions l'image, certes, d'être la ville-centre, mais en tout cas, de proposer aussi à nos collègues des autres communes de pouvoir déposer des dossiers. S'ils ont des dossiers plus importants, je sais que le maire de la Salle-les-Alpes porte un projet de création d'une maison médicale qui va mobiliser peut-être des importances financières un peu plus hautes. Donc je préférais que nous proposions de nous faire aider par la CCB sur des dossiers qui ne sont pas peut-être les dossiers les plus stratégiques, les plus importants du mandat. Mais vous le savez, sur le parc des sports, sur la cité administrative, sur le pôle culturel dans la chapelle des pénitents, nous allons chercher la région, le département, le plan de relance. Et je sais que les collectivités, les communes de plus petite taille, c'est plus difficile pour elles d'aller chercher des interlocuteurs, notamment quand il s'agit d'aller négocier le plan de relance. Et je préférais positionner des dossiers
pour un total de 540 000, en sachant que, en fonction des besoins sur les 2 millions d'euros qui y a dans le fonds global des autres communes, peut-être que nous serons amenés à enlever, à nous retirer d'un ou deux dossiers, en tout cas pour cette première session d'examen qui aura lieu en mai, puisque le fonds sera attribué en mai et en septembre pour que les communes aient un peu de souplesse et de largesse. J'espère avoir répondu à votre question. Et si vous voulez du détail sur Saint-Blaise, peut-être que je vais laisser la parole à Jean-Marc Iaponi. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Oui, sur Saint-Blaise, il y a un stationnement qui est anarchique et il n'y a aucun garage pour les habitants de Saint-Blaise, qui est pour le village. Donc il est envisagé de construire 16 garages sur le délaissé, le parking en terre qui est à l'entrée nord, et de finaliser ce parking. Voilà, qui pourrait être à la vente ou à la location à voir, mais c'était quelque chose de structurant pour le village. Et ça sent que Saint-Blaise fait partie intégrante de la ville de Briançon. Est-ce que le maire adjoint chargé de Saint-Blaise est d'accord ? Oui, c'est un projet qui est de longue date. C'est un bien vacant 100 mètres qu'on a réussi à récupérer avec l'ancienne municipalité. Donc ça date depuis 2014. Et vraiment, le stationnement dans Saint-Blaise, c'est un gros problème. Donc ces garages vont quand même désenclaver le passage dans le village et on va pouvoir réorganiser tout le stationnement sur la traversée de Saint-Blaise. Madame Dardenne, pardon. Effectivement, la nécessité de faire ces travaux ne nous pose pas de questions. C'est simplement que de le mettre dans les demandes de subvention par rapport au fonds de concours, qu'on va appeler comme ça, ça nous semble quand même très particulier parce que ça correspond vraiment à un aménagement pour Briançon. Autant l'aménagement de la Grande Boucle, autant l'aménagement Adrien Dorel pour aller... C'est pas choquant si vous voulez, enfin à mon sens, c'est pas choquant que l'Interco... Voire même le skatepark, dans toutes les Interco de France... ça arrive peut-être plus dans les métropoles, etc. C'est pas un équipement communautaire. Mais c'est pas gênant. Ça devait être communautaire. Mais non, pas forcément. Ah bon ? Pas forcément. Parce que ça représente quand même la somme de Briançon. L'idée du fonds de soutien, à la base. Ça représente un quart du montant global des 2 millions. Mais donc pour les petites communes qu'il faudra aider. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Nous l'évoquerons au conseil communautaire et on tâchera de trouver le meilleur équilibre. Ce que je veux vous dire, c'est que l'idée initiale du fonds de soutien, c'est justement de pouvoir aider les communes sur des dossiers sur lesquels elles ne sont pas ou moins aidées. Et aujourd'hui, paradoxalement, on se rend compte que les projets qui sont des projets de voirie ou d'infrastructure finissent par devenir les projets sur lesquels les maires sont les moins aidés. Si ce n'est qu'à un moment, les habitants, ils ont quand même bien besoin d'avoir des routes. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là qu'on positionne ce dossier. Bon, voilà, écoutez, je crois que ça n'a pas de... Des routes avec des pistes cyclables. Oui, rassurez-vous. Et des gourdes en plastique. Alors, je suis désolé, je n'ai pas encore trouvé la gourde en carton, Madame Dardenne, mais j'y travaille. Monsieur Pétieux. Oui, Madame Dardenne. En fait, un petit peu la volonté qui avait été exprimée à la communauté de communes, c'était justement dans le cadre de ces fonds de soutien, permettre à chaque entité communale de pouvoir être aidée dans la conception et la réalisation d'un certain nombre de projets. Et comme l'a rappelé Monsieur le maire tout à l'heure, qui ne sont pas forcément éligibles au grand schéma classique de subvention. Et ça permettait d'avoir, dans le cadre décisionnel de petites communes, d'avoir plus de marge dans la réalisation de leurs projets. Voilà un petit peu, je pense, l'idée générale de ce fonds de concours. Merci beaucoup. Je vais clore le débat et mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Des abstentions, très bien. On vous invitera pas du coup à Saint-Blaise. La délibération. Vous voulez un garage à vélo, c'est pour ça. Je vous taquine, Madame Dardenne. La délibération est adoptée. S'ensuit une délibération unique
pour plusieurs projets que je vais vous présenter, ce sont tout simplement la mise à jour des dossiers de financement vis-à-vis de nos partenaires, eu égard à ce que nous avons déjà obtenu et à ce que nous demandons en parallèle. Vous savez que nous mettons à jour les dossiers de financement dès lors que nous obtenons des subventions. Vous y retrouvez donc des projets qui, pour la plupart, ont déjà été votés et qui sont en train de démarrer, soit dans des études de programmation, soit dans des études architecturales maintenant, mais qui pour autant, vous le voyez, montre bien que nous sommes bien avancés, en tout cas dans la capacité à les financer. Vous retrouvez donc dans un premier lieu la réhabilitation de la chapelle des pénitents noirs avec un engagement, je vous le dis, qui sera voté dans les prochains jours, de 600 000 euros de la région, qui nous amène du coup à demander les 40% à l'État avec 600 000 euros d'autofinancement pour nous, avec une phase 2 sur la création du tiers-lieu. Vous retrouvez, pourquoi j'ai deux fois la délibération, pardon, ce qu'on a appelé la liaison entre la ZAC cœur de ville et le centre-ville, c'est en réalité ce que nous avons déjà délibéré au dernier conseil sur le réaménagement de la place de l'Europe, de la place de l'Escarton du Grand Briançonnais, de Suse et sur la création du marché couvert, pour laquelle du coup vous trouverez une répartition entre l'État à 40% et le département à 20%. Vous trouvez de la même manière un projet qui du coup est déjà financé, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est la Via Guisane segment Briançon. Donc là, on parle bien de la prorogation de la voie Guisane, de l'actuel chantier en cours de finalisation, et derrière le secteur de l'eau vive et la liaison derrière avec le sentier de la Guisane. Je regarde Johan parce qu'on y court de temps en temps. Et donc la liaison avec Saint-Chaffré, c'est un dossier sur lequel l'engagement de l'État à travers le plan de relance sera voté de la même manière dans les tout prochains jours. J'attire votre attention sur le fait que nous aurons peut-être à procéder à un certain nombre de déclarations d'utilité publique sur ce dossier de la Via Guisane, qui est bien connu des élus de la mandature précédente. Vous trouvez ensuite l'extension du réseau de Saleur avec des demandes de subvention de la même manière et principalement à l'ADEME dans le cadre du plan de relance sur ce dernier. Je voudrais faire une simple parenthèse là-dessus, mais dire que dans le cadre des études que nous avons lancées justement sur ce réseau de chaleur et sa possible extension, je le dis, une extension de réseau, c'est la capacité pour une entreprise à faire plus de chiffre d'affaires. Et je ne validerai, c'est un chantier que nous suivons avec l'adjoint à l'urbanisme André Martin principalement, ce dossier, que si nous arrivons avec le délégataire à trouver un accord sur un avenant qui sera plus favorable aujourd'hui à l'usager en termes tarifaires. Voilà, je le dis très clairement, il y a des associations de riverains qui ont fait part de leur mécontentement. Je fais part aussi de mon mécontentement en tant que maire de la ville, puisque vous avez pu le voir lors du dernier conseil, aujourd'hui, la politique tarifaire qui est pratiquée, et je ne crois pas qu'elle soit que la responsabilité de l'exploitant, elle est surtout la responsabilité du contrat de délégation de services publics, puisque je le rappelle, quand il y avait eu un appel à concurrence, il n'y avait eu qu'une seule personne qui avait répondu, qu'une seule entreprise. Ça doit expliquer un avenant tarifaire qui est plutôt favorable à l'entreprise. Donc, on ne peut pas mettre tout le temps la faute que sur les responsables privés. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, chauffer les bâtiments publics avec la chaufferie bois nous coûte la bagatelle de 50 000 euros de plus que ça nous coûtait avant. Donc, c'est bien, ça sent pas le fioul, c'est une très bonne chose, c'est très écologique, mais il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Et je comprends les résidents du cœur de ville quand ils font part de leur mécontentement. Je prends donc cet engagement très clair. Nous négocierons en faveur du tarif au moment de valider l'extension du réseau. Tu as totalement résumé ce que souhaitent les copropriétaires du cœur de ville, c'est-à-dire que nous restions solidaires et que nous fassions le job, soit essayer de baisser ce RO2 qui correspond à la part fixe de l'abonnement pour que cela soit supportable par l'ensemble des copropriétaires ainsi que par nous qui sommes aussi clients de la BBE. Merci. Tout à fait. Je termine rapidement sur les deux derniers dossiers.
Le dossier un peu classique, mon cher Eric, mais d'importance financière stratégique, puisqu'il s'agit de l'entretien global de nos fortifications, de notre patrimoine fortifié, avec un dossier à 5,3 millions d'euros. Et enfin, dernier point, mais qui est un point important, la modernisation de l'éclairage public pour lequel nous mettons environ 150 000 euros par an depuis déjà 2 ou 3 ans, que nous allons continuer pour moderniser notre éclairage public. C'est un dossier à 500 000 euros sur la même manière sur laquelle nous demandons à être aidés. Je rappelle d'ailleurs que nous avions voté déjà l'année dernière, alors c'est un tout petit peu différent sur l'éclairage public, mais l'illumination, mon cher Hervé, des remparts de la cité Vauban, et que ce dossier va avancer et va avancer désormais un peu vite et va passer en phase travaux dans les toutes prochaines semaines. J'ai bon espoir que lors des festivités de l'été, nous puissions profiter du magnifique éclairage de nos remparts qui font la beauté exceptionnelle de notre cité Vauban. Donc en tout cas, chantier lancé. Voilà pour l'ensemble de ces demandes de subventions. Je voudrais le dire face à vous et devant les Briançonnais, les dossiers avancent, les financements, nous allons les chercher de manière déterminée et ça nous permet de faire avancer les dossiers. Vous avez la parole, Madame Sertour, tout d'abord, et quelqu'un d'autre avait demandé la parole, donc que Madame Sertour, je vous en prie. Bonsoir, je reviens sur la 6E au niveau des subventions pour les fortifications, parce que dans le point de vigilance, vous notez « donner du sens à ces travaux de rénovation » et vous nous posez une question, « quel usage donner à ces fortifications ?» Donc du coup, je reviens sur ce que j'ai lu, comme tous les Briançonnais, dans le Dauphiné libéré ces dernières semaines. Donc on voit arriver un monsieur Pike Investment Partnership, excusez mon anglais. Donc si vous pouvez un peu nous dire, c'était l'occasion de savoir qui c'était, et voilà, si vous les aviez rencontrés, où c'en était, parce que l'encart était très court. Donc, ouais. Je vais vous en dire un mot très rapidement, je laisserai André compléter. Une partie des informations que j'ai en ma possession, je n'aurais pas le droit de vous les communiquer, mais bon, vu ce qui nous a été présenté, une société basée à Jersey, enfin bref, je dois vous dire que la crédibilité de cette société est proche de zéro et que j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi il se trouve de quoi leur donner réco parfois, et c'est bien dommage. Je crois que malheureusement, et je m'en plaignais tout à l'heure parce que je peux vous dire que j'ai eu à souffrir de cela encore hier, mais je regrette que nous ayons ouvert une boîte de Pandore sur ce sujet avec des gens pas sérieux qui amènent d'autres gens pas sérieux, et je compte bien fermer cette porte et ces fenêtres de manière définitive. Nous travaillons avec des investisseurs encore, voilà une heure, avec monsieur le premier adjoint et monsieur l'adjoint à l'urbanisme, notamment sur le cœur de ville, avec des gens sérieux, avec des sociétés sérieuses, soutenues par la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts, et nous ne travaillerons pas plus avec des gens qui, parfois, n'ont pas forcément que de bonnes intentions. Ce sujet, pour moi, est clos, et je ne reviendrai pas sur mes propos liminaires, puisque si j'ai à y revenir, je le ferai devant un tribunal. Monsieur le maire adjoint. Oui, je crois que tu as bien résumé là. Je ne pense pas qu'il faille donner plus d'importance à ces gens-là. Plus on en parle, plus on en fait de la publicité. Je les connais particulièrement. Et je pense que ces gens-là ne méritent pas d'avoir eu cette audience sur le Dauphiné. Et ce soir même, je pense qu'il ne faut surtout même pas en parler. Merci. C'est ce que je connais. Madame Sertour, je vous en prie. Du coup, Monsieur Martin, ni Monsieur Murgia, vous n'avez jamais reçu ce Monsieur Muliez ou je ne sais pas quoi, en mairie, quoi, de ce Pike Alors, nous étions nouvellement élus. Au bout de 8 jours, j'ai reçu ce monsieur. Je l'ai mis dehors. Il nous a envoyé un courrier d'un avocat, comme quoi je m'étais mal comporté et que j'avais éconduit ce monsieur. Voilà. Désolée. Et du coup, après le DL, il y a eu la petite vidéo de BFM d'ici. Donc du coup, juste parce que vous avez été cités tous les deux et que je ne sais pas qui est cette Clélia Benjamin, donc je voulais savoir quelles étaient vos relations et si vous la connaissiez ou pas, parce que comme vous avez été cités en même temps... Voilà. Madame Sertour, je répondrai à cette question si jamais quelqu'un me la pose. J'ai absolument pas envie de revenir là-dessus en conseil municipal. Ce qui est dit par Monsieur Ludovic Arnaud, c'est scandaleux. C'est choquant et je ne comprends même pas que vous y reveniez. C'est scandaleux.
C'est scandaleux ce que dit ce monsieur. Il m'accuse de corruption, de trafic d'influence, mais qui est-il? C'est un juge, ce monsieur? Moi, je lui suggère de s'occuper de ses problèmes. Je trouve que depuis des mois, et je m'excuse, mais en tout cas, vous avez été un certain nombre à soutenir ses initiatives, il ne s'est rien passé, à part des procès que lui intentent toutes les personnes qui lui ont confié de l'argent et qui nous disent aujourd'hui qu'ils se sont retrouvés floués. On a engagé toute la machinerie municipale, l'image de la ville qu'on a écornée, qu'on a détériorée, et alors que mon prédécesseur savait probablement depuis des mois que ce chantier n'avancerait jamais, que tout cela était faux, pour des raisons et des basses raisons de campagne électorale, il n'a pas su y mettre fin, pour qu'on laisse encore la machine continuer, pour qu'on laisse des gens continuer à porter plainte parce qu'ils avaient été escroqués, et je devrais en plus vous répondre. Eh ben, je vous confirme que ça va s'arrêter là et maintenant. Oui, monsieur le maire, ce que je voulais préciser aussi, quant aux subventions annoncées dans cette délibération, toutes ces subventions, bien sûr, ne concernent pas le Fort des Têtes, qui est le patrimoine du ministère de la Défense. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est des subventions qui vont dans le cadre d'un échéancier qui est valorisé par le plan de maintien du bien en série. Là, on parle bien sûr de la tour nord-est de la collégiale, on parle du SIAP, on parle de l'avenue Vauban, on parle des travaux de secours. Voilà ce qu'on parle dans les délibérations. Et je pense qu'il faut vraiment, quand on parle aujourd'hui à la ville de Briançon du patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut scinder d'un côté tout ce qui est à charge de la mairie et de la commune de Briançon et tout ce qui est en charge et encore propriété du ministère de la Défense et qui dépasse des fois aussi un petit peu les enjeux de la municipalité. Merci pour ces précisions. Le Fort des Têtes est quand même écrit dans la délibération, monsieur Pétieux. Non mais très bien, mais ce que vous dit monsieur Pétieux, c'est qu'il y a un programme du ministère de la Défense et de la Culture qui s'était d'ailleurs arrêté, je vous le rappelle, à cause de l'aventure Next Financial Partners. Donc si on n'avait pas renégocié immédiatement avec les ministères, il n'y aurait même plus un euro d'investi. Donc cette aventure, elle nous aura même amené à perdre une année de financement et d'investissement sur nos travaux de remparts et d'efforts. Donc on peut être sacrément fiers de cette aventure. Elle aura vraiment mené à des résultats probants. Et donc je vous confirme que nous avons renégocié avec le ministère de la Défense et le ministère de la Culture sur le Fort des Têtes spécifiquement. Spécifiquement sur le Fort des Têtes, c'est un accord entre eux. Effectivement, les MOE nous ont fait part du redémarrage des travaux en 2022 avec une tranche de travaux de... Oui, certainement, c'était trop proche du téléphone. Voilà, donc avec un ensemble de travaux qui va être diligenté par le ministère de la Culture et le ministère de la Défense sur le Fort des Têtes. Voilà. On vient. Bon, ben, monsieur Pétieux, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez nous quitter. Je rigole naturellement. Y a-t-il d'autres questions sur ces sujets? Madame Dardenne, vous vouliez la parole, je crois. Oui, ben, juste pour la première délibération concernant le. Mais c'est dans la note de synthèse. On voit l'ancienne bibliothèque s'appelait Albert Borel. Je crois qu'elle ne s'appelle pas Albert Borel. C'est Aristide Albert. Aristide Albert, normalement. Aristide Albert. On est bien d'accord. D'accord. Ensuite, je voulais savoir. Un homme. Vous allez nous présenter délibération par délibération pour voter. Ah non, une seule. Il n'y a qu'une délib. Non, il y en a. Ah ben non, telles que vous nous les avez présentées, il y a six délibérations. Ah pardon, faut les voter une par une, pardonnez-moi. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'était par rapport. Je profite de la délibération concernant la liaison ZAC-Cœur de Ville pour vous demander, en fait, je vous l'avais demandé en commission de préparation, mais on n'a pas de nouveau plan de financement par rapport à la ZAC Cœur de Ville. Donc vous m'avez dit que cette délibération viendrait en son temps au mois de juin. Tout à fait. Je pense. Et puis la question qui se posait, c'était que
par rapport à, ça n'a pas de rapport avec les demandes de délibération, mais ça a à voir avec la ZAC Cœur de Ville et avec la cité administrative. On a voté au dernier conseil communautaire une délibération, et vous nous avez présenté au conseil communautaire une délibération par rapport à la cité administrative, les projets qui doivent être menés par rapport à, aux travaux et aux trois ou quatre, voire propositions qui pouvaient nous être faites pour l'aménagement de cette cité administrative. C'est 50-50, communauté de communes et ville de Briançon. Et du coup, je pensais ce soir qu'on allait avoir le pendant de cette délibération pour le conseil municipal de Briançon, puisqu'on s'engage aussi, nous, communes de Briançon, sur ce projet. Donc je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas cette délibération aujourd'hui. Ou aujourd'hui, ou peut-être demain. Il faudrait... Non, pas tout de suite, tout simplement. Pour l'instant, c'est la CCB qui porte. Je vous rappelle que les engagements financiers, c'est que des charges d'études pour l'instant. Et au moment, effectivement, où on rentrera en phase travaux, on délibérera et naturellement, on partagera le coût des travaux. D'accord. Donc, il n'y a pas de pendant à la délibération. Non, c'est la CCB qui est maître d'ouvrage. C'est la CCB qui est maître d'ouvrage. Bon, je suis étonné, mais c'est tout. Voilà. Mais vous savez, c'est plutôt favorable à la ville. Vous devriez remercier la CCB. C'est que je pensais qu'il fallait qu'il y ait une délibération qui soit... Qui fasse le. Voilà, qui soit la. Non, il y a une fiche contrat d'avenir CCB. D'accord. Voilà, pas de sujet. Très bien, je vais donc mettre ces délibérations aux voix, en commençant par la 6A concernant la chapelle des pénitents noirs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. Trois abstentions. La 6B concernant la liaison ZAC-Cœur de Ville et Centre-Ville. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Trois. La 6C, Via Guisane, segment Briançon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? L'extension du réseau de chaleur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? La préservation des fortifications Vauban. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Et la modernisation de l'éclairage public. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée à l'unanimité et je vous remercie. Une dernière délibération financière concernant... l'acquisition par la ville d'un panneau d'information numérique avec une demande de subvention, puisque nous souhaitons faire l'achat d'un panneau d'information numérique LED pour pouvoir le placer en ville basse. Nous n'avons pas exactement décidé, il faut qu'on regarde intelligemment autour de la place de l'Europe où on peut le disposer pour qu'il soit le moins gênant à la fois pour les riverains mais aussi le plus utile pour toutes les personnes qui y passent et les touristes. Mais il nous a semblé utile de nous moderniser un petit peu et de pouvoir diffuser l'information municipale, l'information touristique sur un panneau numérique en ville basse. Voilà pourquoi nous délibérons aujourd'hui, tout simplement aussi parce que j'ai proposé qu'avec Marine Michel, notre enveloppe départementale puisse en financer 70%, ce qui permettra à bas prix pour la ville d'avoir cet équipement qui continuera de la moderniser avec une vue sur notre joli aigle, pour lequel je félicite encore les élus concernés et surtout Bialère, puisque je le trouve très beau. On n'a pas le droit trop de le voir de nuit parce qu'on est confiné, mais c'est encore plus beau avec les LED. Voilà, c'était la petite parenthèse. Est-ce que ça appelle des questions de votre part, mesdames et messieurs les conseillers? Ça n'en appelle pas. Je vous remercie, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons aux délibérations sur le sport. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Johan Lagier pour le lancement de l'opération de modernisation du parc des sports, qui est un sujet hautement important. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération va porter sur le phasage du parc des sports avec la programmation. Donc, à savoir que ça a démarré en mars avec le bureau d'études ISC, comme vous l'avez dit, qui a commencé à faire le point avec notamment tous les clubs, les différents intervenants, afin de récolter toutes les informations nécessaires à ce projet. Alors, comme vous le voyez sur le document, on est sur trois phases, avec la première qui est la construction du nouveau gymnase, la deuxième qui est le remplacement du groupe froid au niveau de la patinoire, et la troisième qui comporte donc le mur d'escalade avec la piste d'athlétisme, le football, la piste mixte et tout ce qui va aller avec. Donc, comme demandé en commission, les différents montants sont sujets à être modifiés du fait des différents votes et des différentes obtentions qu'on va avoir pendant ces délibérations.
Voilà, donc je vous demande de voter cette délibération sur le financement et sur le phasage du projet. Merci, monsieur le conseiller. Je rappelle juste que sur ces sujets, il y a des enjeux que je voudrais partager très rapidement avec notamment Patrick Michel et l'ensemble des collègues sous l'autorité de monsieur le premier adjoint qui pilote en partie ce dossier. On a deux rendez-vous, c'est Paris 2024 avec l'opportunité d'être terre de jeu. Le département s'est engagé. On devrait d'ailleurs obtenir de la part du département le fait que le pilotage humain administratif de la politique terre de jeu pour tout le département se fasse depuis Briançon, depuis le centre d'Oxy. Et ça, c'est pas arrivé souvent aussi, que le pilotage départemental se fasse depuis notre ville. Parce que derrière, il y a l'escalade, il y a le kayak, il y a le VTT, et on veut être camp de base sur ce sujet. Et puis, il y a France 2023, pour lequel j'ai eu un échange dont je peux vous faire part au moins de son existence vendredi avec le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et accessoirement aussi avec le maire de Lalonde, qui est par ailleurs le président du Conseil régional du tourisme, François de Conson, puisqu'il y a un projet de la FFR consistant à imaginer comment demain le 15 de France pourra avoir un nouveau centre de rugby, peut-être dans le sud de la France. Nous, on a aussi la volonté de développer notre part des sports, il peut y avoir des connexions, et j'ai bon espoir qu'avec la Fédération française de rugby, peut-être pas sur les échelons forcément que d'élite, nous puissions aussi travailler intelligemment pour que nous positionnions notre parc des sports sur les sports de montagne, sur l'escalade qui est notre cœur d'identité, d'ADN, sur bien entendu le ski, sur tous les sports de montagne, mais aussi sur les sports collectifs, parce qu'on a la bonne altitude, parce qu'on sait qu'on a un plateau sportif exceptionnel, et qu'à travers le projet régional In the Loop que porte la CCB, on essaie de développer à la fois la modernisation des infrastructures, mais aussi l'attractivité économique qu'on peut créer autour de cela. Voilà, c'est un dossier dont tout le monde parle depuis des années. C'est un dossier qui aujourd'hui avance, devient concret, et dont je veux dire qu'aujourd'hui, il est financé. Voilà, l'engagement du département et de la région font que le gymnase, il est financé. On pourra mettre le premier coup de pioche dès qu'on aura le concours d'architecture qui sera terminé. Aujourd'hui, le terrain de football synthétique, la piste d'athlétisme, le mur des mondiaux, c'est des sujets qui sont en grande partie financés puisqu'ils sont acceptés dans le plan de relance. Et ça, c'est d'excellentes nouvelles parce que ça veut dire qu'en 6 ans, on sera capable de moderniser considérablement les infrastructures de la ville au service de tout le territoire, mais aussi avec un rayonnement régional que j'appelle de mes voeux parce que je suis intimement convaincu que c'est aussi l'une des cartes à jouer, l'un des atouts maîtres de notre ville. C'était un engagement très fort que nous avions pris. Aujourd'hui, avant même d'avoir dépassé les 1 an de mandat, c'est un engagement qui devient réel. Il y a une étude de programmation qui va se terminer probablement avant l'été, cher Johan. Et derrière, il y aura la partie architecturale qui nous amènera à avoir un débat ensemble. Quel équipement on met où? On a une petite idée, naturellement, mais il faudra réfléchir à la cohérence de ceci. Est-ce qu'on adosse le mur d'escalade au gymnase? Comment on le pérennise? Comment on fait tous ces travaux pour qu'ils soient cohérents? Et derrière, un projet architectural et le démarrage des travaux. Je voudrais vraiment vous dire, moi, ma satisfaction que ce dossier avance si vite et remercier à nouveau les élus concernés. Cher Patrick Michel, si tu veux la parole, tu peux la prendre. Non, je vous remercie. Ah, comme tu avais rapproché le micro, je croyais que c'était pour la prendre. Non, mais je la prendrai juste après, mais j'adore quand on parle de sport comme ça. Bon, eh ben c'est bien. En te félicitant à nouveau pour l'espace trail qui est en train d'être balisé et qui démarre. C'est un dossier, mesdames et messieurs, que vous aviez voté l'année dernière et qui prend sa réalité. Le conseiller au sport, avec ses collègues, avait souhaité que pendant cette période de confinement, on puisse baliser les itinéraires de petite taille. Enfin, 10 km, c'est pas petit pour tout le monde, mais pour toi, ça l'est, Patrick, pour que dans le rayon de 10 km, on puisse déjà profiter d'itinéraires balisés. À nouveau, ce sont des choses qui me font me dire que Briançon avance. Monsieur le Premier adjoint. Oui, alors après cette publicité gratuite pour le trail, je voulais simplement préciser que ce projet est un projet vraiment global. C'est un projet qui rassemble tous les désirs d'errata d'une ville à vocation sportive et puis qui se destine à devenir un pôle sportif pour la destination. Ce que je voulais dire, c'est que on a eu une discussion sur le gymnase qui était en cœur de ville, sur telle ou telle installation sportive, par exemple le skatepark qui était aussi au cœur de ville. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir un projet d'ensemble avec une réelle cohérence.
On nous a aussi, par le passé, reproché de ne pas être en contact avec les clubs. Là, il faut quand même dire que Patrick, Johan, vous êtes là consultés en même temps que tous les clubs actuellement pour connaître les desiderata de fonctionnement, les desiderata de chacun, pour que ce parc des sports, je ne sais pas s'il continuera de s'appeler parc des sports, mais pour que ce grand projet soit une véritable réussite pour Briançon et le territoire. Peut-être un tout petit détail, mais dans le plan de financement, vous pourrez observer la phase 1, donc c'est le gymnase, hein, 4,5 millions. La phase 2, qui est la seule qui, à ce stade, n'est pas financée, je le précise, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le groupe froid de la patinoire. Et la phase 3, c'est terrain synthétique, mur d'escalade, piste d'athlée. Voilà. Stand de tir, réhabilitation du CIPA, vestiaire et tribune, pardon. Et pour revenir sur le terrain synthétique, et ce petit message à destination de Francine, le terrain synthétique, c'est un terrain écolo. C'est un terrain qui ne consomme pas d'eau. C'est un terrain qui ne nécessite aucun engrais. Et sur lequel il poussera des morilles. Il poussera peut-être des morilles. Et c'est un terrain qui permettra une pratique beaucoup plus importante que des terrains en pelouse, à savoir 4 ou 5 fois plus importante qu'un terrain, on va dire, traditionnel. Voilà. Merci à tous. Est-ce que ça appelle des questions? Monsieur Schwartz et Monsieur Léon. Merci, Monsieur le Maire. Donc juste, voilà, je voudrais faire une petite remarque par rapport au déplacement du skatepark. Nous avions bien débattu lors du dernier conseil municipal, lors de la délibération que vous nous avez présentée par rapport au, ou l'avant-dernier conseil municipal peut-être, par rapport au marché couvert, en nous disant que ça coûterait 128 000 euros. Aujourd'hui, on s'aperçoit finalement, il faut quand même bien le dire, c'est que ça coûte 128 000 euros peut-être, on ne sait pas, sûrement plus, mais ça coûte aussi 400 000 euros de déplacer le skatepark. Donc en fait, le fait de mettre le marché couvert là où vous voulez le mettre, ça coûte 128 000 euros et 400 000 euros. Voilà. Sinon, le fait de le laisser là, ou 160, c'était 160 et 400 000 euros. Voilà. Donc je voudrais faut quand même que ce soit clair que voilà, ça ne coûte pas 160 000 euros, ça coûte 160 plus 400. Vas-y, Jean-Marc. Dans la construction du skatepark, c'est la construction d'un bâtiment. Aujourd'hui, il sera dévolu au skatepark, mais rien ne dit qu'il restera au skatepark. C'est un bâtiment qui sera construit. Voilà. Donc le coût, ce n'est pas le transport du skatepark, c'est la construction du bâtiment. Oui, j'entends bien, mais c'est pas de cette manière-là dont vous nous avez présenté le projet. Non, mais je vous rappelle quand même que le skatepark, à la base, il a coûté 600 000. Hein. Il a coûté 600 000, le skatepark, à la base, hein, je vous rappelle quand même. Bah, justement, il est là, il est en place. Si vous voulez le laisser là, c'est bien votre droit, mais enfin, je crois qu'on a largement expliqué pourquoi on voulait le déplacer. Et je pense que quand... déjà, on a fait le pari sur le projet hôtelier. Donc vous serez obligé à un moment ou un autre de nous dire, un, que j'ai réussi la cité administrative, deux, que l'on a réussi l'hôtel. Mais je vous fais le pari à nouveau, comme ça on aura pas mal de trucs en suspens entre nous, que le marché couvert, ce sera un équipement magnifique. Et en plus de ça, vous le verrez, le fait d'agrandir le parc du cœur de ville... qui viendra directement sur cette place-là, parce que ce sera une place, là. Une place, une esplanade boisée, qui sera le prolongement du parc. Et d'avoir, en prolongement de la place de l'Europe, un marché couvert qui pourra s'étaler sur la place, qui sera l'entrée de la ville, et l'accès sur des terrasses, des restaurants, etc., vous verrez qu'on en aura fait un espace le plus agréable. Alors ça fait 400 000 euros pour le skatepark. On investit un peu pour aménager le bâtiment actuel, une centaine de milliers d'euros pour le nouveau marché couvert, c'est à peu près globalement, significativement, la même enveloppe qui a servi à construire le skatepark initialement, 600 000 euros. Voilà, donc globalement, je trouve que notre calcul n'était pas trop mauvais. Voilà. Mais l'histoire, quand il sera construit, jugera, et puis vous aussi. Je dis juste que voilà, ça coûtait 600 000 euros, là, ça recoûte encore 400 et 120. Parce que voilà, donc oui, c'est un choix de votre part. Monsieur Schwartz. Non, mais c'est un choix de votre part. Il n'y a pas de souci, on le respecte. Mais sachez que voilà, il faut quand même préciser aux Briançonnais que le fait de vouloir mettre le marché couvert là, ça coûte à peu près 560 000 euros. Et pas 160 000 euros comme vous nous l'avez fait voter la dernière fois. Donc le marché couvert, c'était un élément de notre programme. Et cette solution que nous avons envisagée, je pense que c'est une solution qui est économiquement intéressante pour la municipalité, d'autant plus que le bâtiment, je ne sais pas si vous le connaissez, vous connaissez l'intérieur du bâtiment, je pense que c'est tout à fait adapté à l'usage que nous voulons en faire. Madame Valdener. Oui,
Je voulais simplement rappeler que quand on, la première fois qu'on a voté pour le skatepark, on a dû voter peut-être 80 000 ou 120 000 euros, qu'on est arrivé à 600 000 euros parce que ça a été mené en dépit du bon sens et qu'on s'est aperçu, je veux dire, que bah, le toit, il était crevé, que, etc., etc. Donc, quelque part, ce qui a été investi, je veux dire, est réutilisé. Donc, c'est absolument pas perdu. Ça réhabilite un bâtiment qui est réutilisé pour un marché couvert. Donc, je veux dire, c'est... C'est pas complètement idiot non plus. Allez, dont acte, les arguments ont été donnés au débat. Monsieur Léon, pour conclure. Oui, non, juste expliquer notre vote. Donc, dans la mesure où on ne vous rejoint pas sur cette vision de développement de la ville en pôle et de regrouper tout le sport au même endroit, et qu'on pense qu'un peu de mixité dans une ville, ça fait du bien, on votera contre, même si il y a certaines choses qu'on soutiendrait dans ce projet, mais étant donné que la délibération est globale, on votera contre. Je vous reprendrai comme à la coutumée, qu'on vous invitera quand même à l'inauguration. Je clôt le débat et je mets cette délibération sur la modernisation du parc des sports aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Il y en a 3. Y a-t-il des abstentions ? Il y en a 4. Je vous remercie. Le projet est adopté. La parole est à M. Patrick Michel pour une convention sur le boulodrome Jojo Bonnardel. Voilà, exactement. Je vous propose de renouveler donc cette convention de mise à disposition du boulodrome Jojo Bonnardel au profit de l'association du club de pétanque de Briançon-Sercheux. Voilà, au niveau de la convention, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que c'est une convention qui sera signée sur 5 ans. Voilà. Oui, Madame Sertour. Dans incidence financière, on a les fluides, les charges d'eau, d'électricité et de fuel qui sont pris en charge par la collectivité, par la commune, à hauteur de 8 000 euros par an. Donc ça veut bien dire que c'est une passoire thermique, le truc là-bas. Donc on est super content que pour le club de boule, mais on pense qu'on pourrait trouver une solution, que vous pourriez trouver une solution à cette passoire thermique. Par exemple, une action exemplaire en isolant thermiquement ce bâtiment sur plusieurs années, en étalant sur plusieurs années ou quoi que ce soit. Enfin, c'est une proposition pour ne plus avoir ces 8000 euros de fluide, parce qu'il y a, je pense qu'il y a des aides pour isoler et tout ça et tout ça. Donc autant en profiter pour vous faire gagner de l'argent, pour nous faire gagner de l'argent à la commune. Alors attention, ne parlez pas de boules. C'est de la pétanque et du jeu provençal. Je vous rappelle quand même qu'il y a une triplette briançonnaise. Dans les années, je regarde Jean-Marc, qui c'est qu'il y avait ? Il y avait Manoukian, Jourdan. Et Lorenzelli. Et Lorenzelli, le célèbre Lorenzelli. Donc, attention là où vous mettez les pieds. Désolé, j'étais pas né, monsieur Michel. Non. Mais il y a eu d'autres joueurs. C'est bien regrettable parce que ça a été une grande époque. Non, je pense que Jean-Marc, par rapport à ça, c'est vrai qu'alors, au niveau des fluides, il y a 8 000 euros. Tout ce qui dépasse les 8 000, et c'est pour ça justement, hein, tout ce qui va dépasser les 8 000, eh bien sûr, c'est pris en charge par le club. Donc là, les clubs font vraiment attention. Ce n'est pas que pour le club de pétanque, on est bien d'accord, c'est aussi les autres clubs. Ils font vraiment attention à ce niveau-là pour ne pas dépasser les 8 000. Et après, au niveau, je vais laisser Jean-Marc, parce que là, ce n'est plus mon domaine, Jean-Marc. Madame Sertour, j'espère qu'on verra un boulodrome neuf un jour sur Briançon. Mais des choix ont été faits. Et peut-être que le skatepark, la construction du bâtiment, le skatepark, changera d'utilisation et ce sera le boulodrome. Hein. C'est la construction d'un bâtiment, j'espère. À force de prendre des paris, on va finir à l'apéro tous ensemble. Hein. Non, je crois pas. Mais vous gagnerez pas au boulet. Je vous rassure, j'irai pas non plus. J'en attendais pas moins de vous, madame. Votre savoir-vivre habituel. Je vais mettre cette délibération. Réciproquement, monsieur Murgia. Je vais. Oui, pardon. Monsieur Léon, vous voulez la parole. On a presque pris le pari de ne plus avoir un skatepark. C'est pas le problème. Non, alors attendez, non, je vais non, juste mais... mettre les choses au clair. Les rêves boulistiques de monsieur Capponi n'engagent pas forcément la totalité de la majorité municipale qui, je vous le confirme, souhaite bien avoir un beau skatepark qui servira en extérieur et le week-end et le soir. Parce que moi je suis en liaison directe avec les responsables du skatepark, donc je veux pas avoir 36 coups de téléphone ce soir. Non, on reste bien, Jean-Marc, hein, on réglera ça entre nous, mais on reste bien sur un skatepark, on verra pour le boulodrome. Hein.
C'est vrai, vous pourrez observer au moins la diversité de la majorité et les intérêts non cachés. Mais dans sa déclaration de conflit d'intérêts, il a rempli qu'il jouait aux boules. Donc il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Je vous remercie. La parole est maintenant à Christian Ferru pour la délibération numéro 10. Merci, monsieur le maire. Il convient simplement ici de modifier la rédaction du premier article de la convention votée en septembre dernier portant sur la mise à disposition d'un auxiliaire canin, puisque le maître chien met également à disposition un second chien spécialisé en détection de personnes et de stupéfiants, qui peut être engagé sans muselière et sans aucun risque pour fouiller des appartements ou effectuer des détections dans les parcs et jardins. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Le fameux chien qui crée un petit peu débat. Deuxième fois, oui, voilà. Voilà, simplement préciser que bon, vous nous aviez vendu cette délibération il y a quelques temps. On avait posé la question pourquoi le chien et entre autres, les arguments que vous avanciez, c'était de faire du lien avec la population. Alors aujourd'hui, on nous dit que le chien, c'est un malinois qui doit être muselé en public. Voilà, je ne vois pas comment on peut faire de... On peut faire du non, lui, c'est l'autre. Lui, c'est l'autre, hein, il n'est pas muselé, celui-là. Non, mais celui pour lequel on a voté la dernière fois, c'est bien le chien muselé qu'on ne peut pas démuseler. Donc voilà, tout simplement préciser que ce n'était pas forcément un argument de dire que ça allait faire du lien avec la population, quoi, je veux dire, le chien muselé. Je ne sais pas si moi j'ai dit ça, mais je vous dis que c'était pour faire un travail de police, voilà. Très bien. Accessoirement aussi d'aide aux personnes, parce que c'est des chiens de recherche. Quand il y a des personnes disparues, on a eu le cas qui s'est présenté il y a peu de temps, d'ailleurs. Donc je crois que c'est un vrai soutien aussi pour l'efficacité de notre police. Je rappelle qu'il y a un seul chien pour les deux départements dans les effectifs, je crois, des forces de l'ordre au niveau national. Donc c'est aussi une complémentarité sur ces domaines-là. Voilà. En tout cas, c'était une opportunité qui sont présentées à nous au moment du recrutement. Non, voilà, juste pour terminer, j'ai appris par la suite, effectivement, que c'était une vraie plus-value pour la police municipale. Mais voilà, c'était simplement par rapport aux arguments qui avaient été avancés la dernière fois. Ça nous avait fait un petit peu rigoler quand on a relu la délibération. Eh bien, tant mieux. Si ça vous fait un peu rire, c'est toujours ça de gagner. Oui, monsieur Léon. Moi, je suis heureux de savoir... Ah non, pas les croquettes, hein. Bah non, mais je suis quand même heureux de savoir pourquoi ce chien coûtait si cher. C'est parce que pour le prix d'un chien, on en a deux. Pourquoi pas trois ? Non ? Ce sont deux chiens, il n'y a pas de... Mais on multiplie pas mal. Je sais maintenant pourquoi écouter ce chien. Nous ne multiplions ni les pains, ni les chiens, je vous rassure. Et est-ce qu'on devrait les rentrer dans le tableau des effectifs ? Par le brigadier des chefs, Tivan, voilà. Je vous remercie, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Il y en a deux, trois du coup, des abstentions ? Il n'y en a pas, je vous remercie. La parole est à Christian Ferru pour la délibération numéro 11. Il apparaît opportun de mettre à disposition de la CZB M. Éric Poletto, technicien deuxième classe de la ville au sein du service de prévention des atteintes à l'environnement et à la sécurité de la CCB, et ce, à 70% de son temps de travail hebdomadaire. Il assurera la sensibilisation de la population des différentes communes au respect du règlement de collecte communautaire, veillera entre autres à la propreté des rues, des sentiers, et participera à la sensibilisation et l'information des utilisateurs du domaine public. Enfin, participera aux patrouilles préventives sur le territoire de la CCB pour la capture des animaux divagants. Cette mise à disposition débutera le 3 mai et est prévue pour une durée de 3 ans. La CCB remboursera les traitements et charges au prorata de son temps de travail. Je vous remercie. Est-ce que ça appelle à des questions ? Oui, Madame Dardenne, pardon. Oui, effectivement, nous avons quelques questions parce que nous n'avons pas pu en débattre en commission de préparation puisque Madame Chevalier nous a dit que on n'en discutait pas en préparation de conseil municipal. Pas exactement ce qu'elle vous a dit, Madame Dardenne. Elle vous a tout simplement dit que les délibérations RH, oui, c'est ça, d'accord, n'entraient pas dans le champ des commissions. C'est institutionnel, c'est le CGCT. C'est bien une délibération RH. Bon, mais n'essayez pas de dire qu'elle est méchante. Ah, ben, j'ai pas dit. Bon, alors ça va. On est sauvés. Allez, continuez, s'il vous plaît. Je vous taquine un peu, vous savez que j'aime bien. Oui, alors je suis surprise quand même de la manière dont est présentée cette délibération, parce que là, il est question d'un agent nommément mentionné. Ah, c'est toujours le cas dans le cadre d'une mise à disposition. Ah bon ? Alors déjà, je m'en étonne, puisqu'on nous dit à chaque fois qu'on ne nomme pas les gens. Non, quand c'est une décision individuelle concernant un dossier administratif qui mérite un vote du conseil, ce qui est le cas d'une mise à disposition d'une collectivité envers une autre, elle est nominative. Ensuite, je voudrais savoir
Nous voudrions savoir quel est l'autre temps de travail, enfin, quelle est l'autre fonction de cet agent, puisqu'il est question là... L'hygiène et sécurité. Donc, pour établir le document unique. Oui, tout à fait. Sur la commune de Briançon et la CCB. Pour le mettre en application, surtout aussi. C'est un travail énorme. Il existe déjà. Oui. Ah oui, oui, mais un document unique existe en soi, une fois qu'il a été établi, c'est quelque chose qui vit. J'ai travaillé sur ce document unique quand je travaillais il y a quelques années. Je sais que c'est un travail énorme et je pense que 25% ou 20%, 30%. Oui, enfin, 30% pour le document unique. Je vous rappelle qu'on a un préventionniste, la ville, que sur la CCB, c'est seul. Le centre de gestion qui le fait sous convention de prestation pour nous. Oui, ça devait évoluer. Je pensais que ça allait évoluer, que ça serait un agent peut-être de la commune qui prendrait aussi cette fonction. Enfin, du coup, il y a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à ces différentes missions qui sont données à cet agent. Et puis, il y a la question aussi concernant le fait qu'il sera... son espace de travail se situera dans les locaux de la SPL, d'après ce que j'ai compris, puisque c'est 27 route des Maisons Blanches. Du coup, je ne savais pas qu'on pouvait profiter des Tout locaux à fait. De la SPL. Est-ce qu'il va y avoir donc vous un savez loyer que, de payer vous savez par la que, commune à la SPL alors, et je posais toutes ces questions. Vous savez que les locaux de la SPL sont malheureusement surdimensionnés. Qui plus est, un certain nombre des agents, et je le regrette, mais vous le savez, pour des raisons financières, ont dû nous quitter. Et nous avons donc fait le choix, tout simplement, de proposer à la CCPL d'utiliser un certain nombre de leurs bureaux. Donc la CCB va louer un certain nombre de leurs bureaux pour y déplacer une partie du service assainissement, le service prévention et atteinte environnementale, et lequel j'oublie ? Et l'atelier de maintenance, voilà. C'est la CCB donc qui va louer à la SPL. Tout à fait. D'accord. Merci. Et les bureaux sont neufs et d'une grande qualité, ce qui permettra aussi accessoirement de libérer des bureaux dans ce bâtiment, puisqu'on en manque, dans l'attente de la mise en service de la cité administrative. D'accord. Merci beaucoup. Je vais clore ce débat. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y en a trois. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et une dernière délibération à l'RH, Monsieur Ferru. Cette délibération permet la mise en œuvre des avancements de grade prononcés au titre de l'année 2021 et les recrutements prévus au premier semestre de l'année. L'incidence financière y étant relative est liée à la mise en œuvre du GVT, glissement, vieillissement, technicité, ainsi que du budget prévisionnel voté lors des derniers votes du budget. Vous pouvez voir le tableau des effectifs modifiés joint à la prochaine délibération. Merci. Est-ce que ça appelle des questions? Oui, Madame Dardenne. Non, c'est une question, enfin c'est une demande que je vous avais fait aussi pour la CCB. Est-ce qu'on pourrait avoir un organigramme des services de la commune et donc je crois que l'organigramme des services de la commune, il est prêt. Ça fait rare de ma part. Il est en ligne. Voilà. Donc si vous avez un smartphone, vous pouvez le consulter tout de suite. Et l'organigramme de la CCB, il sera voté dans sa forme définitive avec quelques mutualisations lors du prochain conseil communautaire du 18 mai. Voilà. Après consultation des 13 maires sur le pacte de gouvernance dont découlera la révision des statuts. Voilà. Je vous remercie. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 3 abstentions. Il est adopté. La délibération suivante, je vais la présenter. C'est la délibération qui nous permet d'étendre l'armement de la police municipale en catégorie B1. Je ne vais pas être très long. C'est la continuité de nos engagements. Puisque nous nous étions engagés très clairement à réorganiser le service, à le renforcer avec encore un poste de gardien qui est ouvert au recrutement en ce moment même, avec un jury de recrutement bientôt. C'est la continuité du recrutement des 2 nouveaux effectifs et c'est tout simplement que la mise en œuvre de l'ensemble de nos engagements pour avoir un vrai service de police municipale efficace
aux côtés des services de l'État. Et je crois que notre ville en avait besoin, ce service avait besoin d'être poussé, soutenu, réorganisé. Et en tout cas, je voudrais les féliciter de leur travail, puisque au quotidien, on observe le retour de la tranquillité publique dans certains lieux de la ville. Une action qui nous permet aussi de sécuriser dans des conditions sanitaires difficiles le marché. Et puis, je l'espère, à la réouverture à la vie, la capacité aussi à travailler, vous l'avez vu maintenant, le dimanche, parfois avec des horaires maintenant en amplitude le soir, quand on aura, je l'espère, la fête de la musique, quand on aura des événements festifs. Ce sera aussi notre capacité à compléter utilement les effectifs de police pour sécuriser, rassurer dans un contexte qui est de plus en plus difficile. Et je l'avais dit, nous souhaitions que nous arrivions à peu près à des effectifs de l'ordre d'un policier municipal pour 1000 habitants, ce qui est à peu près la norme dans toutes les villes françaises. Donc aujourd'hui, je peux vraiment me féliciter qu'on arrive au bout de ces engagements, puisqu'en un an de mandat, promesses prises et promesses tenues surtout vis-à-vis de la population. Le service fonctionne, il fonctionne bien, et j'en profite pour adresser mes remerciements au conseiller chargé de la sécurité, mais aussi des marchés, mon cher René, et en te disant au nouveau mon amitié. Puis en plus, tu as été quelque peu malade ces dernières semaines, et je voudrais te dire avec un grand sourire que je suis heureux de te voir en bonne forme ici et plein d'oxygène, si tu me permets la boutade. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je t'en prie, avec un grand plaisir. Voilà, est-ce que ça appelle à des débats ou à des questions? J'imagine que oui, monsieur Schwartz. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, c'est un débat politique, malgré ce que vous disiez en introduction de conseil municipal. On pense que c'est quand même un débat très politique. Bon, nous allons voter contre cette délibération. Je vais essayer d'être clair, de m'expliquer. Alors, oui, non, nous ne sommes pas pour l'insécurité de la police municipale. Nous ne votons pas contre. Pourquoi la police municipale aujourd'hui se sent en insécurité? Il faut l'armée. Parce qu'on leur donne des missions de la police nationale. Monsieur le maire, vous êtes maire, vous n'êtes pas préfet de police. Donc laissez faire l'État, laissez faire la police nationale. On n'est pas... Voilà, nous, on s'oppose surtout à ça, en fait. On s'oppose au fait que la police municipale ne fasse pas son travail initial, mais fasse le travail de la police nationale. Merci, monsieur Schwartz. Pour vous rassurer, elle ne le pourrait pas. Je vous rappelle que la police municipale n'a qu'un rôle de police administrative au titre de la loi. Elle ne peut pas effectuer un travail de police judiciaire, sauf à être en coordination lors d'opérations, puisque ça a été le cas aux côtés de la police municipale, de la police nationale, pardon, quand ils nous ont sollicité, mais aussi aux côtés de la gendarmerie. Donc elle ne le peut pas. Elle assure un rôle de tranquillité publique, de sécurisation, parfois de contrôle quand c'est nécessaire. Donc elle ne le peut pas. Il n'y a aucune volonté de ma part de me prendre pour un préfet de police. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai mis assez quelques années de ma vie à essayer d'arriver à une fonction élective, donc je ne compte pas partir dans la préfectorale, si ça peut vous rassurer. Pour le reste, tout du moins, je me permettrai de remarquer votre cohérence. Vous connaissez le débat, vous connaissez l'histoire. Il se trouve que vous étiez sur une liste avec un tête de liste qui avait, on s'entend, et en l'occurrence en 2015, provoqué pour le coup un débat extrêmement polémique et extrêmement fort, puisque M. Griska a été le premier à Briançon qui a voulu, dès 2015, armer la police municipale. Ça lui avait été à l'époque reproché par M. Fromm. Il était revenu sur ceci, il ne voulait plus le faire. Écoutez, moi j'observe qu'il y a eu beaucoup de débats. Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que face à finalement ces position d'incertitude qui change assez souvent, eh bien nous sommes tout simplement la majorité de la cohérence. Nous avons toujours dit très clairement ce que nous comptions faire au titre de la police municipale. Nous le faisons, nous avons pris des engagements, nous avons été élus pour et nous remplissons ces engagements. Voilà, tout simplement. Je voudrais juste préciser que M. Griska n'est pas là et que... Mais ça m'empêche pas de vous faire remarquer qu'en l'occurrence, vous avez été sur sa liste, donc j'imagine que vous partagez quelques-unes de ses positions. Et pas en 2015, voilà, tout simplement. Donc il avait peut-être ses idées en 2015. En tout cas, voilà. Les nôtres, elles ne changent pas au fil des mois ni au fil des ans. Mais voilà. les nôtres non plus, en fait. Hein, donc là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Simplement, je voudrais quand même revenir. Si aujourd'hui, on a besoin... d'armer la police municipale pour des questions d'insécurité, parce qu'ils se sentent en insécurité, c'est parce que leur métier a évolué depuis que vous êtes maire, depuis quelques années, et depuis nombreuses années, et en fait, c'est pour ça qu'il faut les armer. Donc nous sommes contre l'évolution de la police municipale vers des actions que doivent être portées par l'État et pas par la commune.
Écoutez, c'est bien. Écoutez, c'est bien votre bon droit. Nous sommes en cohérence avec ce que nous souhaitons mener, et les Briançonnais sauront reconnaître que nous sommes au rendez-vous de l'efficacité. Monsieur Hamdani, vous avez la parole, et puis Monsieur Léon. Alors oui, tout d'abord, la police municipale a d'abord un rôle de police administrative. Qui dit police administrative dit prévention des délits. Donc je ne pense pas qu'un chien et des armes, ça aide à la prévention des délits. Peut-être qu'un éducateur, peut-être qu'un peu plus de proximité avec les habitants, peut-être que plusieurs passages dans les collèges, dans les lycées, aura un effet plus préventif de la délinquance. Le côté répressif est exercé par la police nationale et par la gendarmerie qui, je crois, ne le fait de façon ni molle ni laxiste. Donc j'aimerais que la police municipale reste dans son côté préventif, de proximité avec les habitants. Ça, c'était mon premier point. Ensuite, sur la délibération en elle-même, vous allez armer notre police municipale de 7 armes pour 588 €, il me semble. C'est vrai, ça fait pas très cher. Je vous l'accorde, ça fait des économies. Ça sera des armes qui seront des armes réformées. En fait, on s'est renseigné, c'est tout simplement des armes qui sont obsolètes et plus utilisées par la police nationale. Ce sont des armes reconditionnées. Donc c'est juste pour les armes. Et ensuite, il s'agit de la formation. Effectivement, pour la sécurité des agents comme des habitants, ces policiers auront besoin d'une formation. Donc elle comprend 7,5 jours, ce que je trouve très peu, mais c'est en tout cas ce que la loi impose, donc on n'a pas à débattre là-dessus. Par contre, il est prévu dans votre délibération, une fois par an, un entraînement au tir. Alors je trouve, désolé monsieur le maire, mais que ça ne fait pas beaucoup pour des gens qui seront porteurs d'une arme. Et c'est le minimum qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas faire zéro. Mais c'est tellement le minimum que, désolé, mais c'est illégal. Parce que la loi, en tout cas dans son arrêté, je vais vous le sortir. La loi dans l'arrêté du 3 août 2007, qui est relatif aux formations et à l'armement des agents de police municipale. Cet arrêt a été modifié deux fois, en 2017 et en 2020. Mais l'article 2, désolé, je vais vous le lire, hein. La formation d'entraînement aux agents de police municipale mentionnée à l'article R511-21 du Code de la sécurité intérieure comprend au moins 2 séances par an d'entraînement au maniement des armes. Donc je suis désolé, je vais demander le report du vote de cette délibération pour illégalité si vous voulez. Monsieur le maire, je peux vous transmettre l'arrêté en question. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Pour la sécurité de la population et pour la sécurité des agents, ils ont besoin d'être formés au tir. Sinon, ils iront s'entraîner peut-être à Luna Park, au stand de tir. Voilà, je demande le report. Très bien, report refusé. Monsieur Léon, vous avez la parole. Alors cette délibération sera attaquée parce qu'elle est tout bonnement illégale. Très bien, si vous voulez commencer comme ça dans la vie politique en attaquant des délibérations, ça ne me pose aucun problème. Monsieur Léon. Je suis juste dans le respect de la loi, monsieur Murgia. Je ne peux pas accepter de voter une délibération qui est tout bonnement illégale. Voilà. Rassurez-vous, vous ne vouliez déjà pas la voter, donc au moins ça nous va bien. Monsieur Léon. Moi, j'aimerais quand même faire une parenthèse. On ne nie pas le fait qu'il y a des problèmes de drogue, de violence, d'alcool ou autre dans notre ville et qui méritent d'être traités. On a besoin du travail de la police municipale et effectivement renforcer ses effectifs. Étant donné que les mœurs évoluent pas forcément toujours dans le bon sens dans notre société, ça a du sens. Par contre, pour nous, la police municipale a un rôle effectivement de médiation et l'armée, pour nous, c'est contre-productif. En plus, sincèrement, à Briançon, j'ai jamais eu le sentiment d'insécurité. Je veux dire, je me suis baladé dans des villes où effectivement, j'ai pu ne pas être serein, j'ai pu regarder autour de moi, j'ai pu effectivement avoir un sentiment d'insécurité. À Briançon, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Et donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient à Briançon. J'ai jamais eu personne m'a témoigné ça, de se sentir inquiet de traverser les rues de Briançon. Du coup, venir à armer une police municipale comme on le fait dans des villes où il y a de véritables problèmes de sécurité, ça me semble pas en accord avec la ville dans laquelle on vit. Et d'ailleurs, ça fait pas ses preuves, parce que les villes comme Nice qui ont armé la police municipale, ça ne change rien au taux de délinquance, ça ne change rien aux problèmes de mœurs, de drogue ou d'alcool. Ça ne changera rien. Et donc, étant donné qu'on n'est pas dans une ville où vraiment la police municipale va se retrouver en danger,
Effectivement, à Marseille, la police ne va pas dans les cités parce qu'il y a des cités qui sont bien trop craignantes. On n'en est pas là à Briançon. Donc, je pense que là, on franchit un cap un peu vite. Si dans 20 ans, on en est là, peut-être il faudra revoir la position. Mais aujourd'hui, on n'en est pas ici à ça, à Briançon. Et donc, on votera contre cette délibération parce que ça ne nous semble pas en adéquation avec la ville dans laquelle on vit. Bon, écoutez, je peux avoir ce débat. De toute façon, on n'est pas d'accord, vous et moi. Je me permettrai de vous dire que selon moi, vous niez le réel. Voilà. Je ne veux pas revenir et entrer dans des points politiques, mais on vit malheureusement dans un contexte où, pour la première fois dans tout le département, nous avons connu notre ville des échanges de tirs à l'arme à feu, en l'occurrence à l'arme de guerre. Donc il y a des statistiques de la délinquance qui malheureusement et de l'insécurité qui malheureusement augmentent, c'est un fait. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller dans le tout répressif ou dans quoi que ce soit. Je vous dis juste qu'une police municipale moderne qui est respectée, qui peut faire son travail, elle le fait avec les bons équipements, avec le bon matériel et en étant armée. Ni plus, ni moins. Et vous ne m'entraînerez pas sur un débat politique et polémique qui reviendrait à avoir un débat sur la politique de sécurité en France. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la sécurité, c'est l'une des premières politiques sociales aussi, parce que quelque part, c'est la manière de protéger ceux qui parfois ont rien. Voilà. Donc je crois que c'est un sujet important et je crois que c'est un sujet sur lequel nous sommes attendus par nos concitoyens. Nous prenons des décisions, nous les assumons et les Briançonnais jugeront. Madame Michel, vous avez demandé la parole. Pourquoi n'avoir pas choisi les tasers à la place des armes B1 ? Parce que c'est le résultat d'une concertation entre la police municipale, la police nationale et la gendarmerie qui nous a conseillé d'aller sur ce type d'armement. Et au niveau de quelles mesures d'accompagnement avez-vous prévues en cas de dérapage ? Non, mais puisqu'on va envoyer les armes... Vous savez que tout cela est encadré par la loi. C'est pas le maire qui décide ou pas de la manière dont tout cela est encadré, qui décide de l'entraînement, tout ça est encadré. Tout ça est encadré. D'ailleurs, je vous rappelle, ça répondra d'ailleurs à M. Andani, que cette délibération, c'est un avis du conseil municipal, c'est-à-dire que c'est une décision qu'en l'occurrence, je peux prendre moi-même par arrêté, puisque ça fait partie de mes pouvoirs de police, mais que dans un sens démocratique qui me semble normal, je préfère demander l'avis du conseil municipal pour qu'on ait ce débat. Derrière, il y a des dispositions réglementaires qui encadrent la formation des policiers municipaux, leur travail, la manière dont ils utilisent une arme, et on sera là-dessus au rendez-vous de l'exigence que tout cela exige, puisqu'on n'arme pas les gens n'importe comment, mais j'ai tendance à penser aujourd'hui que nous avons des grands professionnels à la police municipale, nous avons une nouvelle direction, un nouveau chef adjoint, je leur fais toute confiance, puisque c'est pour cela qu'on les a recrutés, tout simplement pour faire évoluer notre service, comme je le rappelle, 6 polices municipales sur 10 en France, et je crois qu'aujourd'hui on fait tout simplement quelque chose qui s'inscrit dans la normalité d'une ville comme la nôtre, qui est certes une ville de 12 500 habitants, mais qui peut avoir en saison jusqu'à 30 000, 40 000 habitants, avec les problèmes que l'on connaît. Voilà. Madame Olani avait demandé la parole. Après, je repasserai la parole à Monsieur Hamdani, puis à Madame Dardenne et à Madame Cordier, pardon, que j'avais pas vu dans l'angle. Oui, seulement pour dire que en 91, quand nous avons été élus, Monsieur De Caumont, le maire précédent, avait armé la police. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est d'un parti ou d'un autre parti, mais la police municipale était armée à ce moment-là. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais plus qui en premier, c'était monsieur... Alors, on va faire de droite à gauche, si vous voulez bien, monsieur Schwartz, monsieur Hamdani, madame Dardenne et madame Cordier. Voilà, simplement, vous dites 6 polices municipales sur 10 qui sont armées, ce que vous venez de dire juste avant, c'est ça ? Au niveau national. 57%, je crois. D'accord. Que c'est pas pris dans la délibération, d'ailleurs. Je crois pas. Si je crois. Pardon, excusez-moi, j'avais pas lu. Plus, mais j'avais ce chiffre. 57%, mais combien est le pourcentage des villes de 10-12 000 habitants à ce moment-là ? Déjà, je ne nous considère pas comme une ville de 10-12 000 habitants. Vous savez qu'on a un surclassement déjà au titre de toutes nos dotations, etc., de 20 à 40 000. Et la réalité de notre nombre de résidences secondaires et notre nombre de lits chauds fait que, vous le savez comme moi, nous sommes très régulièrement plutôt entre 20 et 30 000 habitants dans notre ville. Je rappelle d'ailleurs, excusez-moi, ça fait une parenthèse sur le sujet, mais que notre station d'épuration, dont on dit qu'elle est parfois saturée en pic de saison, elle ne regroupe les eaux usées que de 9 des communes sur 13, et elle est faite pour 120 000 habitants, ce qui veut dire qu'on a une réalité de la population qui est supérieure. Monsieur Andani. Encore une fois, je me répète, désolé, mais vous souhaitez armer la police municipale, il n'y a pas de souci, c'est votre choix, c'est pas le nôtre, mais juste faites ça dans les règles du droit, et si vous voulez encore, je vous le répète, que je vous présente l'article,
je voulais colorier en jaune pour que je voulais surligner. Écoutez, juste, non, mais juste pour que vous vous rendez compte que la. Monsieur, pour les cours de dessin, je repasserai. Je non, mais juste pour que vous vous rendez compte que la loi, oui, impose non, deux séances de tir annuelles pour la sécurité des agents et pour la sécurité des habitants. Je sais que vous êtes un fin juriste, monsieur, mais je vous rappelle que ça ne rend pas cette délibération illégale, puisque c'est une délibération pour avis, quoi qu'il en soit. Mais charge à vous de l'attaquer. Ça nous rappellera les six dernières années qu'on a vécues et vous montrer que vous avez été, vous aussi, bien formé en la matière. Vous, Madame Dardenne, vous voulez la parole. Vous pourriez juste tout bonnement la modifier et passer à deux ou trois séances de tir annuellement pour l'avis du préfet. C'est bon, je vous remercie. D'accord. Madame Dardenne. Oui, merci. Effectivement, ça demande un débat. Je ne sais pas si en fait on débat vraiment puisque votre choix il est fait. Mais effectivement, c'est un choix grave d'armer aujourd'hui la police municipale à Briançon. Gabriel Léon l'a dit, dans notre commune, on sent pas en insécurité. Que la police se sente en insécurité, c'est pas forcément un bon argument pour demander le droit de porter une arme, parce que on monte d'un cran dans ce genre de comportement qui peut engendrer encore plus de violence rendre le métier de policier encore plus dangereux. Tout à l'heure, M. Schwartz l'expliquait comme ça, et je pense que là, pour le coup, on se rejoint. Effectivement, les missions premières de la police municipale, c'est une police de proximité qui a plus une vocation à faire de la prévention et de la médiation, plus que de la répression. Mais non, madame, ça, c'est le rôle du service, c'est le rôle du CIPS intercommunal, en l'occurrence, la prévention, et vous le savez très bien. Le port d'une arme peut engendrer des comportements et des dérapages, malheureusement. Il y a des bavures aussi policières. Ah non, je vous interdis de rentrer là-dedans. Non, je vous interdis de rentrer là-dedans, s'il vous plaît. Défendez un tout petit peu nos forces de l'ordre. Il y a eu trop de polémiques au niveau national ces derniers temps. Et ne rentrons pas là-dedans, s'il vous plaît. Monsieur Schwartz parlait aussi de choisir, en fait, de faire de la police municipale une force supplétive à la police de l'État. C'est vrai que c'est une question quand même qui se pose. On n'a pas forcément besoin de ça, puisque ce n'est pas le rôle de la commune d'aller dans ce sens-là. Tout à l'heure, monsieur Amadi... Excusez-moi. C'est parler de la formation. Il n'y a pas que d'être formé au tir. Il y a aussi toute la formation qui concerne le comportement qu'on doit avoir avec une arme, parce que ça change beaucoup les choses. Donc c'est vraiment un choix important que vous faites là, et on ne peut pas aller dans ce sens-là. Après, vous ne vouliez pas aborder l'orientation politique de votre choix, sauf qu'aujourd'hui, c'est étonnant parce que même M. Macron va dans ce sens-là en ce moment. Et donc, on se demande quand même si on n'est pas dans le cadre d'une surenchère électoraliste par rapport à des élections qui viennent, qui se profilent. Ah ben non, alors je vais vous dire, là-dessus, vous ne pouvez pas me taxer de cela, pour au moins la bonne raison que ça fait à peu près 2 ans que nous l'avons annoncé. Voilà, donc... vous ne pouvez pas me taxer d'électoralisme. Je me permets de, si on m'envoie les informations, je me permets de préciser à M. Hamdani que l'état d'urgence sanitaire ramène à une séance l'obligation. Donc en plus de ça, vous voyez, on sera dans notre bon droit, en sachant qu'on a le stand de tir ici et que s'il faut en faire deux, nous en ferons deux. Madame Cordier avait demandé la parole. Je suis désolé, mais là encore, le dernier arrêté de 2020... Écoutez, on ne va pas faire un cours de droit. L'arrêté de 2020 ne change pas. Non, je vous ramènerai la parole après la délibération. Merci. Madame Cordier. Ah, s'il y a du scotch par. Oui, non, arme ou pas arme, boutade chez une femme dangereuse, donc moi, c'est une évidence. Je vais finir par m'excuser auprès de vous, Madame Cordier. J'adore et je respecte et je suis à fond pour les forces de l'ordre. Voilà. Alors, quant à l'armement, il y a juste une petite phrase qui me révolte. Toute force de l'ordre n'a pas quand même des armes achetées aux blacks en Europe centrale. Alors, les armes réformées, non, ce sont des armes. Ouais. Elles sont nettoyées, ce sont des vraies armes. Et le ministère de l'Intérieur, je pense, que ne prendrait pas un souci d'armer ces forces de l'ordre avec des fausses armes tout à fait, ou des pistolets à billes. Bon, deuxièmement,
Après, pour la formation en stand de tir, ça tombe bien, la mairie a des stands municipaux, 25 et 50 mètres. Je reviens là-dessus. Jean-Marc, il faudrait que tu viennes en urgence parce que j'ai la butte de terre du 25 mètres qui s'effondre. Donc, tu m'amènes ta mini-moque, j'ai la pelle, le râteau et la brouette. Hein. Voilà. Et les formations, la police municipale, que ce soit l'attitude à avoir, je pense que tout policier municipal a une formation déjà basique, qu'il ait un stylo pour un PV ou une arme, ce ne sont pas des tarés et un poste de 6e, 7e zone. Et la formation, de toute façon, se fera sous la police nationale. Et sachez qu'à Briançon, nos policiers s'entraînent un peu plus qu'une fois par an. C'est quasi tous les mois. Merci beaucoup avec sa gouaille habituelle. Madame Michel, et après je vais clôturer le débat. Vous aurez le mot de la fin, madame. Mettez votre micro, s'il vous plaît. C'est pas grave. Excusez-moi. C'est au niveau des enjeux, la campagne de communication aux administrés est une pièce maîtresse pour le développement et l'efficacité du dispositif. Est-ce qu'elle a eu lieu ou elle aura lieu après? Bien sûr qu'elle va avoir lieu, comme on l'a fait de la même manière quand on a recruté le maître chien. Et on va naturellement avoir un travail d'information, de communication pour naturellement que tout ça se fasse à la fois en bonne et due forme et puis en plus dans l'explication qu'attendent les Briançonnais. Merci en tout cas pour votre question. Je vais clore le débat et mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des abstentions? Il n'y a pas d'abstention. Y a-t-il des votes contre? Il y a donc... Oui. Pardon, excusez-moi. Bah, merci. Simplement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne prendrons pas part au vote, étant donné que vous nous présentez, comme l'a dit M. Hamdani, une délibération qui n'est pas légale. Donc, pour l'instant, nous ne prendrons pas part au vote. Très bien. Donc, il y a du coup des votes contre. Il y en a 3 avec la procuration de Mme Poyot. Et la délibération est donc adoptée. Je vous remercie. La parole est à M. René Michel pour la délibération numéro 14 qui a été rajouté normalement dans vos dossiers. Je crois que c'est celle-ci, hein. C'était les demandes de subvention. Monsieur Michel. Merci, monsieur le maire. Au vu de la dernière délibération concernant l'armement et compte tenu des besoins de formation des agents de la police municipale, il vous est simplement demandé d'approuver l'enveloppe financière de ces formations qui se dégouleront au stand de tir de Briançon du 30 août au 7 septembre 2021 pour un total de 4 218,75 € et le plan de financement dans lequel l'État finance ces formations à 40% et la commune 60%. Il vous est également demandé d'approuver l'acquisition d'un second véhicule de service pour la somme de 12 000 € et pour lequel l'État finance 6 000 €, soit la moitié du prix total. L'achat est prévu pour mai 2021. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y en a 3. Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie, c'est adopté. À nouveau, la parole à M. Michel pour une mise à disposition du radar mobile avec la commune de La Salle-les-Alpes. Dans le cadre de la sécurité routière et des vitesses excessives constatées par la police municipale de la commune de La Salle-les-Alpes, le maire de la commune souhaite faire effectuer des contrôles de vitesse par la police municipale locale sur l'ensemble de sa commune, notamment sur l'axe principal. La ville de Briançon accepte de mettre à disposition de la commune de La Salle-les-Alpes son radar. Cette mise à disposition sera effective à partir du 1er mai et la commune percevra une recette de 150 €, soit 10 jours d'utilisation. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de questions, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Et une dernière délibération relative à la mise à disposition du stand de tir à la PAF. Monsieur René Michel. Tout comme la police nationale en mars dernier, la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montgenèvre, par l'intermédiaire de son directeur, a sollicité la ville de Briançon afin qu'elle mette à disposition à titre gratuit le stand de tir de la Plombagine, permettant aux fonctionnaires d'effectuer les tirs réglementaires, même par mauvais temps. Il convient donc de signer une convention d'utilisation qui fixe les droits et les obligations de chacune des parties. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, si, monsieur Léon. Pourquoi est-ce que c'est à titre gracieux? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas payé? Puisqu'apparemment, le stand de tir n'est pas en super état. Non, mais c'est plutôt une question de bienséance entre les services de collectivités territoriales et les services de l'État. Voilà.
Non, mais on pourrait aussi dire que c'est payant pour tout le monde, c'est quand même... Non, mais moi, vous savez, quand vous demandez des subventions à l'État, le mieux est de ne pas commencer non plus par commencer par leur faire payer un entraînement de temps en temps. Et j'estime que entre agents publics, c'est une question de bienséance et de politesse. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, si on les fait payer, ils vont s'entraîner moins. On ne peut pas faire moins que 1. C'est pas possible. Bonne réponse. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Il y en a 3. Des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à monsieur le premier adjoint pour la convention acte de numérisation. Je précise juste que pour des obligations personnelles, il nous quittera par la suite et me donnera son pouvoir. Exactement, monsieur le maire. Merci. Donc, c'est l'extension du périmètre des actes dématérialisés transmis au contrôle de légalité. En 2014, la ville s'engageait dans la télétransmission de ses actes soumis au contrôle de légalité dans le cadre du programme ACTE. Il est à présent nécessaire d'étendre le périmètre des actes télétransmis au-delà des seules délibérations du conseil municipal, puisque le 1er octobre 2018, la possibilité est ouverte aux collectivités d'étendre le champ de la télétransmission à la commande publique et à l'urbanisme via l'application ACTE. Il est donc proposé de signer un troisième avenant à la convention initiale afin d'engager la ville dans cette télétransmission étendue. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. Je vous remercie. La parole est à Madame la conseillère chargée des affaires scolaires et de l'éducation sur la carte scolaire, Madame Skripnikov. Merci, Monsieur le maire. Alors, la ville est compétente pour la définition des périmètres scolaires et l'affectation des élèves en fonction de cette sectorisation des écoles. À ce jour, la carte scolaire sectorise le secteur de Saint-Blaise par une affectation des élèves de maternelle sur l'école de Pont-de-Servière. Et pour ce qui est de l'élémentaire, il reste donc à l'école de Saint-Blaise. Les effectifs attendus sur l'école de Saint-Blaise en élémentaire ainsi que ceux de maternelle au niveau de l'école de Pont-de-Servière sont en nette progression. La démographie est en hausse aussi sur ces deux secteurs. Et la superficie des locaux disponibles sur ces deux écoles nécessite d'adapter les capacités d'accueil en incluant l'école d'Orancefine, qui est, de par sa proximité géographique, avec l'école de Pont-de-Servière est tout près. Donc l'objectif est de rééquilibrer les effectifs des écoles, d'anticiper les passages des enfants entre la maternelle et élémentaire et assurer un climat propice à l'éducation des enfants. Vous avez sous vos yeux le détail de la nouvelle carte scolaire et bien sûr que ça rentrera en vigueur à la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Je me permets au passage à travers vous de remercier les agents du service qui, pendant toute la période où nous avons tenu les écoles ouvertes, ont fait un travail remarquable. Remercier aussi les agents, chère Annie, du CCAS et du service des sports qui ont été mobilisés pour assurer le protocole sanitaire dans les écoles. Ça a été une période particulièrement éprouvante et je voudrais vraiment saluer leur travail à toutes et à tous et les remercier pour nos enfants. La rentrée, c'est la semaine prochaine et nous serons à leur côté mobilisés dans ces situations toujours difficiles, eu égard au protocole sanitaire qui nous oblige à ce que les enfants ne se croisent pas et qui nous oblige à multiplier les personnels avec des enfants qui parfois sont pas forcément eux aussi non plus très heureux de ce qu'on leur impose. Voilà, donc merci tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec vous, monsieur le maire. Les agents ont fait un très gros travail ces derniers temps, mais on les remercie. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des questions sur la carte scolaire ? Oui. Oui, c'est juste une question concernant du coup l'école Orancefine. Donc, personne nie que les gens sont un peu moins attirés par cette école. Donc voilà, j'aimerais juste savoir s'il était possible ou s'il serait envisageable, en tout cas, d'organiser des projets pour rendre plus attractive cette école qui est dotée d'une équipe d'enseignants super, mais qui est victime de facteurs étrangers. Vous savez lesquels. Donc j'aimerais savoir s'il était possible de créer des projets pour rendre cette école plus attractive. Voilà. Bien sûr, ça fait partie de notre politique de rénovation. Je vais laisser Michel compléter. On a notamment déjà présenté un projet qui vise à agrandir la cour de l'école notamment. Je te laisserai présenter et détailler sur l'ensemble des travaux, puisqu'il y a des travaux dans les écoles réguliers. Mais bien entendu, ça fait partie de la réhabilitation du quartier que nous comptons présenter, puisque nous aurons des projets, notamment au titre de la CCB, sur la probable réhabilitation du quartier avec l'ancienne caserne de CRS, qui fera l'objet d'un travail probablement dans les prochains mois. Je
suis moi aussi très attaché à la qualité de nos écoles. Madame Skripnikov. Tout à fait. J'aimerais bien que vous précisiez un petit peu plus ce que vous venez de dire, enfin vos arguments. L'école de Roncefine a un très bon corps enseignant. C'est une école qui est en progression. Actuellement, je peux vous dire qu'il y a, pour la rentrée scolaire, il est prévu à peu près entre 22 et 23 élèves par classe. Donc, voilà, c'est une école qui fonctionne et qui a... Voilà. Donnez-moi les arguments sur lesquels vous pensez que c'est une école qui n'est pas très... C'est les professeurs qui nous font part de... C'est les professeurs qui nous font part eux-mêmes de leur regret de voilà, il y a de moins en moins d'élèves dans l'école Orange-Pine, ou en tout cas des personnes qui sont censées en tout cas s'inscrire à l'école Orange-Pine, les parents préfèrent les inscrire ailleurs. Donc voilà, il y a peut-être une MJC à côté, un centre musical également. Donc voilà, s'il était possible d'organiser des projets de soutenir un peu plus voilà cette école qui est à mon sens qui est une école élémentaire. À ce jour, les inscriptions se font, donc il y a voilà, les inscriptions se font correctement. Il y a une carte scolaire, on fait attention. Il n'y a pas de classe fermée pour cette année au niveau de Briançon, notamment aussi au niveau de l'école de Roncefine. Donc ça veut bien dire les choses vont bien. Mon propos de départ était juste voilà, de savoir s'il était possible d'organiser un peu plus de projets pour l'école Roncefine ou une restructuration, peut-être des travaux, une rénovation, une modernisation peut-être. Voilà, c'était juste. Alors allez visiter l'école de. Je vous invite à aller visiter l'école de Roncefine. Je peux vous dire qu'elle a été particulièrement rénovée. Et comme l'a soulevé tout à l'heure monsieur le maire, nous allons refaire la restructuration de la correction. On y veillera et c'est tant mieux. Non mais Michel, si tu permets, ce que veut dire monsieur Hamdani, c'est un gros aménagement paysager qui permettrait aux enfants qui sont dans la cour de récréation d'avoir d'autres horizons, regarder des arbres, des fleurs, des oiseaux, plutôt que des perspectives futures de chouf et etc. Je pense aujourd'hui sont très très nuisibles au développement de l'ensemble des enfants qui fréquentent cette école. J'attendais justement qu'ils me le disent de vive voix. Madame Valdener, je te le dis parce que j'ai parlé avec tous les enseignants. Je voulais simplement vous dire, monsieur Hamdani, que l'école de Roncefine profite d'un certain nombre de projets de médiation culturelle, comme d'autres écoles, mais particulièrement l'école de Roncefine, notamment de la part du conservatoire, qui va chercher les élèves, qui assistent à des petits concerts, et que les instituteurs, qui sont très dynamiques, candidatent à un certain nombre de projets, qu'on vote ici en conseil municipal et que l'école fonctionne tout à fait comme les autres écoles au niveau culturel et qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et c'est tant mieux parce que je pense voilà, que si, comme je disais tout à l'heure, agir en prévention, en particulier dans l'école Roncefine, je pense que c'est nécessaire et c'est dès l'âge de l'école qu'il faut voilà, s'occuper de ses enfants. Voilà. Mais merci bien. On s'en occupe merci, comme dans toutes les autres. Vous savez, monsieur Hamdani, on s'en occupe. Je ne l'ai jamais nié. Figurez-vous qu'il y a une municipalité depuis 8 mois qui prend tous les problèmes de sécurité, de tranquillité publique qui sont ceux du quartier de la rue Pasteur et on les connaît. On le voit bien. À bras le corps, monsieur. Ouais. Et figurez-vous, avec dignité, avec un peu d'honnêteté. Voilà. Mais nous, les décisions, on les prend. Elles n'ont pas été prises avant. Je rappelais juste, voilà. Merci. J'ai demandé juste pour cette école. Ben voilà. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il... Oui, Madame Certeau, pour conclure. Non, la solution d'ouvrir une troisième classe à Saint-Blaise, c'est pas passé par le... Les locaux ne le permettent pas, Madame Certeau. Dommage, parce que c'est une demande des parents depuis des années. Ouais. Merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je vais passer la parole désormais à monsieur le maire adjoint chargé de l'urbanisme pour deux décisions de session que nous retirons. Je vais le laisser les présenter une par une. Monsieur Martin. Merci, monsieur le maire. Oui, il s'agit d'un retrait de décision de session.
Il s'agit d'une délibération qui concerne la cession de terrains communaux situés chemin des Combes, qui a été votée le 15-9-2010, concernant la vente de parcelles. Cette vente était conditionnée par une révision simplifiée du PLU, par l'établissement de conventions de servitude, par l'obtention d'un permis d'aménager. Et tout ça a été conditionné par l'acquisition de parcelles privées, numéro C1184. Depuis cette date, aucun compromis de vente n'a été signé et ces terrains ont fait l'objet de 3 demandes d'autorisation d'urbanisme, toutes rejetées ou retirées. Un délai de plus de 10 années avait été donné à l'intéressé sans qu'une exécution n'intervienne. Il vous est donc demandé d'abroger cette délibération. Je vous remercie. Je précise que c'est un des endroits les plus beaux de notre ville et que nous souhaitons ne pas l'urbaniser et y préserver cet environnement de pain assez exceptionnel. Et les habitants qui nous ont longuement sollicité là-dessus, je crois, seront rassurés ce soir. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Deuxième retrait de décision sur Saint-Blaise. Voilà, là aussi, il s'agit d'une délibération concernant l'établissement d'une servitude de terrains communaux situés au rift de Claré, qui a été voté en 2018. Le propriétaire possède une installation hydraulique comprenant une prise d'eau située sur la parcelle E1383 et amenant l'eau par des canalisations enterrées sur sa parcelle E1348. La servitude aurait formalisé l'occupation de la parcelle communale par la prise d'eau et les canalisations. Depuis la date du conseil municipal, aucun acte notarié relatif à cette servitude de vente n'a été signé. De plus, cette délibération a été annulée. Une autre de 2017 qui approuvait un échange de terrain qui est donc caduque. Cet échange de terrain était lié au projet d'aire d'accueil des gens du voyage, mais il n'a finalement pas utilisé pour permettre à la CCB d'acquérir une des parcelles de l'aire d'accueil. Il est donc nécessaire de maintenir l'annulation de cette délib. Monsieur le maire. Merci, je vais donc mettre cette délibération en voie. Non, madame Dardenne, vous avez une question pour monsieur Martin. Non, c'est pour expliquer qu'on va s'abstenir sur cette délibération, parce qu'autant la précédente, effectivement, elle correspond effectivement à des délais très importants. Donc, on peut considérer que, effectivement, les délais légaux sont dépassés. Et puis, en plus, il y avait, je crois, dans le compromis, il y avait 10 ans. Alors que là, on ne se retrouve pas dans le même cas de figure. C'est quand même relativement récent en termes d'urbanisme, de droit dans le service de l'urbanisme. Et du coup, on préfère ne pas voter pour cette délibération dans la mesure où on pense qu'il peut y avoir un recours. De la part du propriétaire ou des gens concernés. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de délibérer sur un délai aussi court. C'est votre droit, madame Dardenne. Merci. Merci, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Vous ne prenez pas part au vote. Merci, la délibération est adoptée. La parole est à monsieur le maire adjoint chargé du patrimoine pour une convention ville CCB CAUE. Oui, une convention qui mettrait en avant l'optimisation de l'organisation spatiale des services publics. Une convention tripartite entre les services de la ville, la CCB et le CAUE. La construction de la cité administrative regroupant la majorité des services de la commune et de la CCB va engendrer la vacance de plusieurs bâtiments municipaux et intercommunaux. Bâtiments des Cordeliers, ancienne école du Prorel, pavillon du Champ de Mars. En parallèle de tout ce processus, la localisation des services publics qui ne seront pas présents dans la cité administrative pourrait être interrogée pour différents motifs. Accessibilité, adéquation des bâtiments avec leur usage, évolution urbaine éloignant les usagers des sites, etc. Il semble donc aujourd'hui pertinent d'anticiper ces changements par une étude partenariale et globale avec la CCB, qui serait conseillée par le CAUE sur les enjeux patrimoniaux et urbains, sur les sujets que je viens d'énumérer. Il vous est donc demandé de décider de la réalisation de cette étude et d'approuver la convention jointe au projet de délibération.
Merci beaucoup. Une étude prospective que nous appelions de nos voeux pour avoir une base de discussion et de travail entre nous tous. Je vais mettre cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. La parole est à Claire Barnéou, chargée de la gestion de la crise sanitaire pour le centre de vaccination du Proal. Merci, monsieur le maire. Donc, il convient de délibérer sur la mise à disposition de l'ancienne école du Prorel pour y installer ou réinstaller un centre de vaccination Covid. Au vu de l'évolution de l'épidémie, la campagne de vaccination actuellement en cours va continuer. Le centre hospitalier de Briançon va poursuivre sa mission de vaccination massive sur le Briançonnais selon les directives de l'ARS. La salle des fêtes de l'ancienne école du Prorel est actuellement mise à disposition du centre hospitalier de Briançon en tant que centre de vaccination. Cette mise à disposition est proposée à titre gracieux. Les charges de fonctionnement, nettoyage, coût internet, consommation des fluides, ainsi que les taxes afférentes aux locaux sont prises en charge par la commune de Briançon. Il convient également de rappeler que la salle du Prorel est aussi et avant tout un bureau de vote qui sera mobilisé par deux fois courant juin afin de préparer et d'organiser les scrutins départementaux et régionaux. Et donc, par la présente délibération, il vous est proposé de prolonger de 6 mois cette mise à disposition à compter du 29 avril, et ce, jusqu'au 31 octobre 2021. Et puisque la parole m'est donnée, j'en profite pour donner une bonne nouvelle, puisque... après analyse des eaux à la station d'épuration, nous avons divisé par 2 en 15 jours le taux de contamination des eaux usées à la STEP. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces analyses sont effectuées sur l'ensemble du territoire et ne donnent pas des chiffres réalisés simplement sur les seuls tests réalisés, c'est-à-dire les tests PCR, réalisés, qui donnent les taux d'incidence et les taux de positivité qui sont pour cette semaine en baisse sur la CCB, à savoir que le taux de positivité est de 7% et le taux d'incidence de 222, des chiffres qui sont largement en dessous des taux départementaux. Je vous remercie. Et sauf erreur de ma part, sur le seul quartier climatique de Briançon, de 30. Donc c'est plutôt... puisqu'on analyse la STEP, 9 communes sur 13, et le quartier climatique où il y a toutes les structures hospitalières. Ce sont donc des nouvelles très très encourageantes en vue du prochain déconfinement qu'on espère rapide et efficace. Merci ma chère Claire. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La parole est à monsieur Chiaponi. À monsieur Pétieux pour un logement communal. Pardon, excusez-moi monsieur Pétieux. Je vous en prie, monsieur le maire. Oui, une délibération tout à fait classique. La commune est propriétaire d'un logement de type 4 duplex d'une superficie de 120 m² à l'école de Fourville, dans lequel des travaux de remise aux normes électriques et la réfection du logement ont été effectués par les services techniques de la commune. Donc, par délibération date du 20 septembre 2017, le tarif de la redevance mensuelle avait été fixé à 500 euros hors charge, révisable chaque année. Le dernier locataire, jusqu'en août 2019, s'acquittait de la somme mensuelle de 506,26 euros pour la redevance et de 50 euros de provision sur charge. S'agissant d'une occupation précaire et irrévocable du domaine public, compte tenu du marché actuel de l'immobilier, du prix du mètre carré, de la valeur locative sur le territoire de la commune de Briançon, ainsi que les travaux de réfection réalisés, le montant de la redevance mensuelle pourrait être fixé aujourd'hui à 650 euros et 80 euros de provision sur charge. Voilà, il vous est donc demandé de fixer cette redevance mensuelle ainsi que les provisions sur charge et d'approuver le modèle de la convention jointe. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Elle est adoptée. La parole est à monsieur le maire adjoint chargé des travaux pour le règlement de voirie communale. Merci, monsieur le maire. Cette délibération propose l'adoption d'un règlement de voirie, règlement dont la commune est à ce jour dépourvue. La procédure d'élaboration de ce règlement de voirie, ça a été amorcé en 2017 et n'avait jamais été finalisé. Aujourd'hui, c'est fait grâce à nos services techniques.
Et il y a eu la réalisation de ce règlement qui est joué à la délibération. Ce document dotera la commune d'un cadre réglementaire pour tous les opérateurs qui interviendront sur le domaine public. De même, ce document sera la référence en cas de litige. Le conseil municipal est donc appelé à approuver ce règlement. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des questions? Oui, Madame Sertour pour Monsieur Caponi. Je l'ai dit en commission, alors je le répète en conseil, vu que c'est des remerciements, autant faire part aux concernés. Donc on voudrait remercier Monsieur Guyot qui en 2017 avait commencé ce document et finir par remercier Monsieur Bonda qui l'a fini avec Monsieur Dordor qui est au fond de la salle. Parce que c'est un document très complet, 55 pages, dont 40 pages d'annexes. Donc, il y a de quoi lire et se régaler. Je les remercie. Merci. Remerciement transmis. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Elle est adoptée. Une délibération que je vais me permettre de présenter. Sur le lotissement du CRP. Vous savez que j'avais été à l'initiative, voilà maintenant 3 ans, de la réhabilitation de la route principale du lotissement, puisque c'est le département, mon initiative, qui en avait financé la totalité de ce sujet qui était bloqué entre la précédente municipalité et les riverains. Je souhaitais désormais que nous arrivions à trouver enfin une solution pour régulariser ce qui n'a que trop duré, puisque l'accès au sud du lotissement est dans un état absolument lamentable et scandaleux. Et au bout de semaines et de mois de travail, sous l'autorité de Monsieur André Martin, que je voudrais remercier, les riverains ont accepté, un, de se regrouper dans une ASL commune, deux, se sont mis d'accord sur un modus operandi de financement entre eux. Et sur ce principe-là, nous vous proposons de délibérer, puisque sur le constat que la route sera refaite et payée par les riverains, nous accepterons par la suite, comme nous l'avons fait pour l'axe principal, de classer la voirie en voirie communale. Je me félicite qu'en l'espace d'à peine 3 ans, nous ayons pu régler ces problèmes tout un quartier qui était pénalisé, et cela durait depuis des années. Comme quoi, quand il y a une volonté, on arrive toujours à dénouer les sujets. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se terminer, se finaliser, sans un euro du contribuable et dans l'intérêt de tous les habitants. Je m'en félicite vraiment et je suis content pour les habitants du CRP. Voilà. Est-ce que ça appelle à des questions? Madame Dardenne. Oui, c'est pas une observation sur la délibération elle-même, c'est sur ce que vous venez de dire. En fait, rien n'est réglé. Parce que vous prenez... on prend ce soir une délibération de principe sur... Voilà, sur cette régularisation de situation, mais rien n'est réglé parce que les associations et les habitants concernés n'ont rien réglé. Ils ont des travaux monstrueux à faire. Enfin, et monstrueux, donc, ça va prendre encore... pas exagérer non plus. Ah ben, j'ai cru comprendre quand même que écoutez, en fait, je vais vous exposer la situation précédente. Alors, la situation précédente, c'était les riverains ne sont pas d'accord entre eux, le maire refuse de leur parler et rien n'avance. Non, c'était pas si la situation actuelle, c'est les riverains sont d'accord entre eux, monsieur, nous les avons mis autour de la table. C'est exactement la même situation. Ah non, je crois pas, madame Dardenne. Ah ben non, non. Non, je crois pas, non, parce que rassurez-vous, si j'avais pas pris le dossier en main, l'actuelle route, elle aurait jamais été faite. Et celle-là, vous verrez qu'elle sera faite rapidement et sans un coût pour le contribuable. J'en suis pas sûr, mais enfin, on va voter la délibération, il n'y a pas de souci, mais sur le principe, sauf que ça va encore demander, je pense qu'on y reviendra, parce que ça risque pas de se régler si rapidement que vous le souhaitez. Ah ben écoutez, au moins, les sujets avec moi, ils se règlent, voilà. Je mets cette délibération aux voix. Ah ben sans un euro du contribuable, madame, sans un euro du contribuable. Je parle pas de vous, je parle des... Pardon, monsieur Caponi, vous voulez la parole. Je parle des Certaines ASL sont déjà constituées. Donc, à charge de faire avancer le dossier. Hein. La balle est dans leur camp. On était loin de cet état de fait. Mais aujourd'hui, on était bien loin de cet état de fait. Cela avance. On était bien loin de cet état de fait.
Mais bon, après, si ça vous trouve étonnant que les dossiers avancent, nous, ça ne nous semble pas étonnant. Et oui, mais le problème, c'est qu'à Wait and See, mais alors maintenant, j'ai le sentiment qu'on va vous, on va vous donner tort sur ces deux, trois choses. Mais on va tâcher de continuer à remplir nos engagements. Je mets cette délibération aux voix pour les habitants du CERP Sud. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie à l'unanimité. Et je repasse la parole à M. Chiapponi sur la délibération concernant l'avenue Adrien Dorel. Afin de réaliser les travaux de réaménagement de la voirie sur la deuxième tranche de l'avenue Adrienne Dorel, comme cela avait été fait pour la première tranche, la commune souhaite en tirer les réseaux, aussi bien télécommunications que les autres, les réseaux secs. Et dans cette délibération, nous proposons de signer une convention avec Orange, qui assurera la réalisation des études et fournira les matériaux, tandis que la commune devra prendre en charge les coûts qui sont faits pour le génie civil. Ça permettra, c'est sur un point esthétique et sur un point de finaliser toute l'avenue Adrien Dorel. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. À nouveau, M. Chiapponi, pour un deuxième sujet de voirie sur la Grande Boucle. Cela concerne le réaménagement du carrefour de la Grande Boucle, dont le diamètre est maître d'œuvre. Ces aménagements nécessitent de même la déviation de plusieurs réseaux secs et humides et la réfection de l'éclairage public sur le pied du chemin fantôme. Le coût total de cette opération s'élève à 230 498 € hors taxes. Il y a donc une convention qui doit être signée avec EDSB pour la réalisation de ces travaux. Merci, monsieur le maire adjoint. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. La parole est à monsieur le conseiller aux travaux, monsieur Osti, pour l'aménagement du canal Gaillard. Alors, suite à la réalisation de trois tranches de travaux. Un peu plus proche de ton micro, s'il te plaît, mon cher Christophe. Merci. Donc, suite à la réalisation de trois tranches de travaux entre 2018 et 2020. Et l'inscription du chemin longeant le canal Gaillard au PDIPR, l'ASA du canal Gaillard a présenté à la commune un projet de travaux de sécurisation de 5 portions, comprises entre le bois de l'Ours et Chantoiseau, totalisant un linéaire de 180 mètres. Il s'agit essentiellement de soutènement du chemin afin de le consolider ou de le reconstituer suite à des glissements partiels. Le coût de ces travaux est estimé à 39 355 euros hors taxes, financé à 50% par le département et 50% par la commune. Il vous est donc demandé d'approuver la réalisation de cette tranche de travaux et d'approuver le plan de financement. Merci beaucoup, en saluant au passage le président de l'ASA, M. Jonker, et l'ensemble du travail de ses équipes, comme de l'ensemble de l'équipe de tous les canaux, en saluant la présidente Michèle Skripnikov sous une autre casquette. Mais ce sont des activités qui sont prenantes et dont on a bien besoin, parce que c'est notre patrimoine naturel parmi le plus merveilleux. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Pour conclure ce conseil, trois délibérations culturelles. Madame la maire adjointe, vous avez la parole sur le CAC. Alors, bah, écoutez, des sujets un petit peu plus légers pour finir cette belle soirée. Et nous allons commencer par une délibération concernant le Centre d'art contemporain. En commission, j'ai détaillé le fonctionnement, j'ai détaillé les locaux qui sont très beaux locaux, qui sont très bien placés et qui sont très fréquentés puisqu'il y a à peu près quand même 12 000 visiteurs à l'heure d'aujourd'hui. Je ne reviendrai pas là-dessus, même si j'espère avoir donné envie de venir au Centre d'art contemporain. Et en tout cas, cette délibération est là parce qu'on a envie de donner une programmation dynamique et ambitieuse à ce Centre d'art contemporain qui avait été un petit peu... dans le passé, il y avait eu des moyens quand même affectés depuis plusieurs années qui l'avaient un peu desservi, et notamment des moyens humains, puisqu'on avait un agent qui était à mi-temps sur cette structure, qui est quand même une belle structure et qui, si on veut lui donner une belle programmation qui est détaillé dans la délibération, faut quelqu'un à plein temps qui puisse élaborer cette programmation tout au long de l'année et pas à mi-temps. Je ne sais pas si vous voulez que je vous énumère la programmation, sachant que c'est écrit dans la délibération et que peut-être vous voulez que je ne détaille pas tout ça.
Donc cette programmation est dense, vous l'avez vu, elle sera pratiquement doublée par rapport à ce qui existait avant. Et vous avez le budget derrière, qui est un budget de 35 000 euros, avec quand même des subventions relativement conséquentes. Et on travaillera pour que ces subventions deviennent encore plus importantes en conservant, par exemple, le partenariat avec le FRAC, et ce qui nous permet d'avoir un dialogue constant avec la DRAC et qui doit nous amener déjà une qualité de programmation et quelque part une consolidation peut-être financière. Merci beaucoup, Madame le maire adjoint. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une question, Madame Sertour. Est-ce que vous avez déjà une idée pour la résidence d'automne ? Pour la résidence d'automne ? Pour la programmation de la résidence d'automne, oui. Attendez. Non, c'est marqué dans la délibération. Je pense qu'il ne vous a pas imaginé qu'en ce moment, on est en période sanitaire compliquée et que faire une programmation extrêmement précise est extrêmement difficile à l'heure d'aujourd'hui. Avez-vous des pistes ? Alors, je repose la question juste pour savoir si vous avez commencé à avoir des pistes. Oui, bien sûr qu'on a des pistes. Okay. Bien sûr qu'on a des pistes. Mais on ne va pas délibérer de choses qui peut-être se feront ou ne se feront pas. C'est un peu difficile, mais par contre, en temps utile, bien sûr qu'on reviendra vers vous pour délibérer. Non, mais comme vous nous avez dit en commission que vous allez décaler l'exposition à cet hiver, comme on n'a pas pu la voir. C'est écrit dans la délibération. Oui, exact. Donc, du coup, oui. Vous avez déjà le programme de l'hiver, mais pas de l'automne. Donc, c'est pour ça que je me permettais de vous demander si vous aviez plusieurs pistes. On a plusieurs pistes pour que le Centre d'art contemporain soit ouvert à l'année, en espérant que le public puisse y accéder, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous le savez comme moi. Merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Il n'y en a pas. Et puisque Mme Valdener parlait des rapports que nous devons maintenir avec le FRAC, on va tâcher aussi de les maintenir avec la DRAC qui nous soutient bien, d'où la délibération suivante. Alors, il s'agit d'une délibération sur le fonds ancien de la bibliothèque. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le fonds ancien n'a pas encore été déménagé et est toujours dans l'ancienne bibliothèque Aristide Albert. Et d'ailleurs, c'est le bon nom qui est dans la délibération. Comme quoi, tout à l'heure, c'était une coquille, pas plus. Voilà. Alors, je ne résiste pas à vous dire quand même qu'il y a 481 mètres linéaires de volume, hein, d'accord, et il y a 13 353 volumes. Et que, quand même, il y a 80% qui sont antérieurs à 1880. Alors, j'arrêterai là, mais c'est quand même intéressant de savoir. Donc, bien évidemment, c'est un fonds qui est d'une grande qualité, que la procédure est stricte et qu'il y a un certain nombre de phasages à faire. Dans un premier temps, il est nécessaire de faire restaurer l'un des inventaires du fonds, parce que c'est ce qui nous détermine tout ce qu'il y a à faire après, et c'est totalement indispensable. Et c'est un travail de restauration, il est très abîmé, hein. C'est un travail de restauration qui est confié à un prestataire extérieur qui suivra les recommandations du comité technique de restauration du patrimoine des bibliothèques publiques. Dans un deuxième et troisième temps, le fonds devra faire l'objet d'un dépoussiérage, c'est un terme, hein, c'est pas dépoussiérer, c'est mettre un conditionnement, d'un conditionnement donc afin de préparer au mieux le déménagement qui interviendra à l'automne prochain. Et la municipalité devra acquérir du conditionnement spécifique pour le stockage et le transport, ça veut dire des cartons, des protections, des papiers de soie, etc. Et tout ça est confié à un prestataire privé, mais par contre, ce qui est extraordinaire, et ce pourquoi on va pouvoir aussi avoir un certain nombre de remerciements, c'est que ce sont les services techniques qui vont faire ce déménagement à l'automne, une fois que tout est conditionné, et que grâce à leur implication, ça va nous faire énormément d'économies. Parce que le coût de l'opération, c'est 23 726. Je peux vous dire que c'était largement trois fois plus si on demandait à une entreprise spécialisée dans le déménagement des fonds anciens de venir. Et là, globalement, les éléments conditionnés, les services techniques pourront tout à fait faire le déménagement. Et on les en remercie d'avance. Et pour ceux qui ne le savent pas, les volumes seront accueillis et conditionné à la médiathèque dans des structures qui sont extrêmement performantes en termes d'hygrométrie, etc.
Merci beaucoup pour cette clarté. S'il n'y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et pour finir, une convention en vue du festival Briançon sous les étoiles que nous lancerons cet été et dont nous dévoilerons les grandes lignes dans les prochaines semaines. Alors c'est pareil, c'est quelque chose dont on a parlé en commission. C'est quelque chose qui, j'imagine, va soulever l'enthousiasme de tous. Parce que aujourd'hui, on est quand même dans une incertitude sanitaire et je pense que la volonté de la municipalité d'organiser un festival de cette envergure, je pense qu'on peut le saluer. Et dans le cadre de ce festival qui s'appelle Briançon sous les étoiles, on vous présente la première convention. On a expliqué en commission qu'il y avait un programme éclectique et dans ce programme, il y a une prestation qui sera une comédie musicale qui souhaite signer sa convention. Et donc, à partir de là, nous passons cette convention en conseil municipal, en sachant qu'on a très largement échangé avec les prestataires et que c'est d'un commun accord que nous vous présentons cette convention de cette comédie musicale qui s'intégrera dans un festival qui, j'espère, sera très réussi, qui s'appelle Briançon sous les étoiles. Merci beaucoup, c'est très clair. Monsieur Léon. Du coup, on vous félicite de tout mettre en œuvre pour avoir ce spectacle. C'est sûr qu'il est attendu dans le Briançonnais. On a parlé un peu en commission. Malgré tout, on se questionne sur la pertinence de récupérer un travail de production au sein de la commune et donc d'y mettre des moyens humains et techniques et logistiques là où on n'est peut-être pas le plus performant, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on a l'usage vraiment de faire, alors qu'on avait initialement une entité qui gère tout elle-même, qui est autonome, qui a l'habitude, qui fait ça depuis de nombreuses années. Donc on a un peu du mal à voir la finalité. Après, effectivement, si l'association Tous en scène adhère à cette convention et s'y retrouve, ma foi, le choix leur revient. Mais ça nous paraît quand même étonnant, alors qu'on avait une entité qui fonctionnait. On ne voit pas la pertinence d'aller chercher ce travail en plus pour la commune alors que ça fonctionnait. Je ne sais pas si vous avez bien cerné l'envergure du projet. Parce que en fait, je pense que vous faites allusion au festival Fort en Fête, mais Fort en Fête, c'était 10 représentations. Là, il y en aura plus. Il y aura une programmation de jazz, de musique de chambre, de production grand public. Et il n'y aura pas que la production Fort en Fête. Elle est intégrée. Elle est en centre. La programmation est centrale au milieu du festival, mais il n'y a pas que ça. Donc à partir de là, les prestataires de Fort en Fête ne pouvaient pas. Si vous voulez, Fort en Fête, là, c'est pas Fort en Fête. D'abord, c'est Tous en scène, c'est une association, et ils sont prestataires de services dans une organisation, et c'est la ville de Briançon qui est producteur. À partir de là, on en a parlé avec Francine Dardenne l'autre jour. On a mis en place des moyens techniques qui globalement représentent la subvention qu'on leur versait. Et à partir de là, eux, ils ont une proposition artistique. Et là, ce sont les modalités de leur proposition artistique. Okay. Voilà. Mais ils n'en avaient surtout pas l'envie et ils n'en avaient non plus pas les moyens de chapeauter toute l'organisation, la totalité de l'organisation. C'est deux choses différentes. Okay. Je comprenais pas votre question au départ, mais j'ai compris sur la fin. Ok. Et alors, du coup, est-ce que donc c'est des missions que vous envisagez de porter dans le futur, de continuer à être producteur et de spectacles ou d'événements culturels d'ampleur ou si c'est un one shot? Non, c'est pas un one shot. Non, surtout pas. J'espère que c'est les prémices d'un festival qu'on refera tous les ans. Après, très honnêtement, on est quand même un peu tendu. Parce que si les conditions sanitaires restent comme elles sont aujourd'hui, c'est quand même très compliqué à organiser. Et je vous garantis qu'il faut quand même beaucoup d'enthousiasme. Non, mais franchement, je veux dire, on en tirera les bilans. Et je suis positive d'entrée là-dessus. Et à partir de là, on reconstruira un événement, l'année prochaine. En plus de ça, on a quand même construit des choses qui sont équilibrées par rapport au quartier de Briançon. Ça veut dire que, par exemple, les concerts et diverses manifestations sont prévues. Vous l'avez compris, là, à la Porte d'Embrun, le mardi, le mercredi et le vendredi.
Et il y a des opérations qui sont dans la ville en bas les autres jours, de façon à ce que tous les quartiers vivent. Et je pense qu'économiquement et par rapport à l'apport touristique, c'est énorme. Et je pense que si les gens ne savent pas où donner de la tête pour savoir ce qu'ils vont faire cet été, ça va quand même faire du bien à tout le monde. Sur le fond, j'ai aucun problème. Hein. Je salue l'initiative. C'est juste que pour moi, au sein de la commune, pour l'instant, on n'a pas toutes les compétences qui s'appliquent à ce genre d'événement. Non, mais on conventionnera avec une autre association pour les aspects de régie, d'organisation, etc. Oui, non, mais c'est juste que je pense qu'il y a des. Qui sera chargé de ça pendant les 5 semaines du festival, tout simplement. Ils ont vraiment l'habitude de ce travail-là. Et pour moi, c'est souvent plus pertinent parce qu'ils font ça toute l'année dans divers domaines. Je trouve qu'il y a de fortes, des grosses associations culturelles qui ont quand même les réinsurés. On fait appel à un producteur. Hein. On fait appel à un producteur. Vous inquiétez pas. Et puis, il y a un gardiennage et puis c'est une grosse opération. Et effectivement, c'est quelqu'un de métier qui va superviser les choses. Tout nous, on incite, je veux dire, on met en forme le festival, mais je veux dire, bien sûr que c'est géré par des professionnels. Merci. Okay. Madame Dardenne, vous vouliez... Madame Sertour avait demandé la parole avant et Madame Dardenne pour conclure et après je clôturerai le débat. Du coup, Madame Chevalier nous a renvoyé la convention modifiée, on en avait parlé en commission. Et du coup, on a vu qu'elle n'était pas signée, donc vous êtes encore en discussion avec l'association, il y a encore des modifications. Il faut la voter pour qu'il la signe. C'est la seule condition, après il n'y aura plus rien à modifier sur cette convention, vous êtes tombé d'accord. Elle est votée, elle n'est plus modifiée. On ne va pas la modifier, je veux dire. Vous êtes tombé d'accord, donc tout est OK. OK, d'accord, merci. Madame Dardenne. Oui, moi je suis assez dubitative par rapport à cette délibération, parce qu'il y a des choses qui me restent... que j'ai du mal à quand même à voir par rapport notamment au montant qui va être alloué, notamment au risque pris par les uns et les autres. Et il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est le montant global de cette de Briançon sous les étoiles. Vous l'avez voté lors du budget, madame. Oui, je ne l'ai pas voté. Et du coup... vous avez voté contre, alors forcément, c'est sûr, ce ne sera pas grâce à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le montant global de Briançon sous les étoiles? Et parce qu'effectivement, il n'y a pas de service dédié à la commune. Vous avez alloué, lors du vote du budget, une enveloppe de 120 000 euros et qu'on a réussi à dégager, vous le savez justement, puisqu'on a rationalisé un certain nombre de demandes de subventions. Et c'est ce qui nous a permis de valider cette grande enveloppe qui nous permet de faire le festival et qui servira à cela cette année. Je n'avais pas compris ça du tout, monsieur le maire. Mais c'est pas grave. J'avais compris que les 120 000 euros, dont effectivement... Mais c'est une enveloppe globale qui servira aux grands événements. C'est une enveloppe globale pour les grands événements. Bien sûr. Et le festival sera dedans, naturellement, par la force des choses. Quand on s'engage dans un festival, on ne sait pas encore quelle sera la programmation, combien on mettra. Donc là, vous savez ce qu'on met du coup sur Tous en scène, et vous verrez au fur et à mesure ce qu'on mettra sur les autres, et vous verrez ce qui restera dans l'enveloppe. Et puis voilà, tout simplement. Par exemple, il y aura aussi des concerts lors des internationaux d'escalade, qui seront localisés sur le site des internationaux d'escalade. Donc un bel été culturel. Tout ça est un tout, ça a été réfléchi quand même. Un bel été culturel. Je vous remercie, je vais clôturer le débat. Non, monsieur Schwartz, vous voulez la parole, pardon. Vous concluez. Ben non, concluez, allez-y. Ah, très bien. Alors, je mets cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il y en a 3. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, s'il y a une question diverse, je laisse la parole à monsieur Schwartz. Juste pour vérifier, est-ce qu'on pourrait revenir sur la délibération numéro 1, savoir si vous avez bien pris en compte les bons votes? On a un petit doute, en fait. Alors, la délibération numéro 1, c'était... celle de substitution entre M. Hamdani et M. Dazin. Et sauf erreur de ma part, il n'y avait qu'un vote contre M. Ouais. Donc en fait, il y a 4 votes contre, étant donné qu'on n'est pas d'accord sur le fait. Vous nous avez pris un petit peu court sur le fait que... On peut le modifier. C'est modifié. Non, je suis désolé, mais comme il y a eu une petite confusion, c'est quelque chose qu'on aurait pu d'ailleurs parler en commission. C'est modifié. Je vous remercie. L'ordre du jour, étant épuisé, je lève la séance du Conseil municipal. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée à tous.